Le fromage. Oh putain, bâtard, à travers l'arbre. Oh, mais tu m'en fais pas la même tout à l'heure. L'arbre qui me bloque. Il m'a refait la même que tout à l'heure, le bâtard. Petit pépé, quoi. Envie de cramer. Envie de tout cramer. J'ai plus rien encore. Arrête. C'est un enfer, là. C'est un putain d'enfer ce qui m'arrive. J'aurais dû train comme un bâtard. Au lieu de m'amuser là, au lieu de décompresser aujourd'hui, j'aurais juste dû lancer la PS4 et train, putain de merde. C'était mon erreur sur Sekiro déjà. On y retourne comme ça là? Une brute de décoffrage? Allez. Osef tire. À mort. Ça va être un truc qui était bien sur Sekiro là, qui a me manqué. C'est qu'il n'y a pas de fiole et tout, Il n'y a pas de ressources, quoi. Y a pas des fioles à gauche, là, genre. Non, y a pas un loot, là. Un truc, quoi. Je pourrais prendre. Merci, mon pote. Merci de me pousser. Par ici. C'est mardi. Je suis deck parce que quand je regarde sur l'écran du stream, ça a l'air tellement mieux votre qualité que la mienne, genre. J'ai l'impression moi d'être à 20 FPS quoi. T'es une merde mon pote. N'importe quoi ce que tu fais là, rouler dans un arbre. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. Ah, c'était bien ça pourtant. Oh merde. Mal là. Non. Ouf. Oh les dégâts, le bâtard. Un seul grid et voilà. En vrai là ça aurait été plus rapide juste que je recommence quoi. Et que j'ai les molotov. On va faire ça en vrai. On va faire ça parce que là j'arrive plus là. On va recommencer. Ça va me purifier. Ça va me purifier, putain. J'ai remarqué que c'était positif, il y a sur Sekiro. Quand je m'éloignais du boss un peu pour aller faire des zones et que je revenais, là, ça se passait mieux. Ça va mieux se passer là. Il faut savoir, let go. L'accident, c'était pas ma faute. Le 1PV, c'était pas ma faute. Ta-da-da. Ta-da-da. Regardez vite fait sur... Ah oui. Ah. Du balsam. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? Je sais pas ce que c'est les modes sur mon écran en fait. C'est simple. Parce que j'ai des modes OD, je sais pas quoi. Je suis presque sûr qu'il y a un truc qui influe sur le taux de rafraîchissement là. FGG. Jeune timide. Mi IRL. On passe juste. Par contre, il va être recréé, ça c'est clair. On t'oubliera jamais, Michel Colucci. On n'a rien vu. C'est terrible. J'ai la musique de Gascogne dans la tête par contre. Je vais dormir avec ça ce soir, j'espère.
Bon, allez, je prends trop à la légère là, j'oublie les enjeux en fait. J'oublie qu'il faut pas que je me couche à 2h. Parfait. Il ressemble au quatrième méchant d'RE8. Alors attends, c'est précis. Quatrième méchant. Ah oui, c'est l'autre avec son marteau là. C'est vrai. True shit. Allez, I want to believe. Attends, c'est mon écran qui s'éteint à droite. Remets-toi. Réponds. On va pas dire non aux deux fioles. Ta-da-da. Tu sais quoi, je vais même aller prendre les balles là. Je l'ai pas prise tout à l'heure. En face là de la porte, il y a des balles, il me semble. À gauche. Ça va être quand même sympa, Yharnam. Ah, c'est des fioles carrément, putain de Worse. De Deuce. J'aurais dû les prendre, mais j'aurais dû les prendre 3000. Salut mon pote. Oh non, t'as pas bougé. Il bouge en fait. Attends. Ça s'annonce mal là. Uch. Je crois que des fois il peut se prendre l'échelle genre et ça lui fait un stun. C'est pas déjà arrivé ça une fois sur nos streams? L'échelle lui tombe dessus à ce bolos. Ta-da-da. Bah voilà, on est de retour exactement au même point qu'on était tout à l'heure presque. Genre legit, ça aurait été plus rapide de refaire dès le début, dès que j'ai perdu contre Gascogne. Oh là, il s'est tapé une motive lui. J'ai failli me faire faucher quoi. Moi ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu une Rix Pastelos Pastis comme d'habitude. Elle a été très vite réglée quoi. L'entente cordiale. Merci. Ça m'avait manqué les emotes trigger par le 6-axis là. Ça aussi qui fait que Bloodborne est Bloodborne finalement. Regarde là, tu sais quoi, je vais pousser le vis. Moi ça là. Une fiole en plus. C'est ça qui va faire la diff. C'est ça qui me manquait tout à l'heure en vrai. Il manquait une balle aussi. Il y en a une, mais j'ai gagné. J'ai juste pas. Gros, si t'as pas répondu, il a gagné en vrai. C'est la loi. Comment t'étais allé dans Yharnam sans avoir ouvert le portail du cimetière? Comment ça? Quel cimetière? Non, c'est dégalé ça, c'est bon. Une fois, pas deux! Ah, je suis. On va récupérer les cocktails Motov. Voilà, j'en ai 10. De Dieu, je peux pas le cramer avec mes 10 cocktails Motov, ça va être triste. Bon, après, t'as aussi la technique de rester dans les escaliers avec Gascoin, mais bon. Je trouve ça un peu trop naze quoi. Un peu trop chum comme fight. Oh, il t'a calmé là! Il t'a cassé en vrai! La cour de récré, bonjour. Théoriquement, le seul truc qui est important de se rappeler, c'est juste les fragments où ils sont. Après, le reste, Osef, mais il faut que je passe Gascoigne, c'est lui qui bloque tout. Si je le passe pas, c'est horrible. Pas empêcher d'aller lui parler. Oh les gars. Les escaliers magiques. Bah sur Gascogne, en vrai, ça le fait un peu. Ça le rend un peu plus prévisible, il me semble. Est-ce que ça réutilise de la fiole ou pas là? Non, vas-y. J'y vais pas all-in. Je remets une fiole. Voilà. De toute façon, je l'ai acheté. Donc autant s'en servir, j'ai envie de te dire. Et ça aussi là. Oh genre. Ça tu sais quoi? Tout à l'heure ça m'a manqué là.
Ok. Alors littéralement, ça m'a pris 2 minutes en fait d'arriver là. C'était plus long tout à l'heure de farmer et d'aller chercher l'armure. Genre si je perds, vaut mieux que je recommence quoi. C'est encore fait casser Pastis là, je m'entends plus. On entend plus jouer de son instrument avant là. Ouais, c'est stylé tout ce que tu fais avec ta machine 3D, 3V1. Tu te fais plaisir quoi. Ouf. Merci les potes. J'aimais pas trop le front qu'ils ont fait là contre moi. On est tous. Tous maudits la nuit. Bah quand je suis à ma lanterne mon pote. Le sel dans les plaies. Bloodborne. Tout. Je suis tellement excité à chaque fois à jouer à ce jeu là. Faut juste pas que je crève en fait. Salut German, ça va? On se retrouvera dans pas trop longtemps. Est-ce que j'ai assez de thunes? 240. C'est un peu cher ta merde là. Le Vioxx, t'en rends compte de ça? Peut-être pas trop les petits entrepreneurs qui se lancent quoi. Les petits chasseurs qui rentrent dans le game. Tout ça pour plus je sais pas combien de dégâts. Ça va me faire genre plus 8 de dégâts en plus, mais let's go. Par contre, attends. Did not fall in the ear of the sword, hein. Mais on siole, j'y tiens. Je me fais grand plaisir. J'avais même imprimé un distributeur de bonbons, mais il marche pas ouf. Ah, les bonbons peuvent bloquer le mécanisme. T'inquiète, hein. Fais passer Xanagi chez toi. Il y aura plus de bonbons qui bloquent le mécanisme. Ça fait 1 heure l'époque, tu as Gascogne. Ça va pas du tout là. Je compte sur un effet boule de neige où quand on commence, on est inarrêtable, j'espère. C'est mon espoir dans la vie. Tout va bien se passer après Gascogne. Je refoule toutes mes émotions là. Est-ce que je vais chercher les balles là? Pour plus tard, non? Vous en foutez de toute façon. Imprimer des bonbons pour avoir des bonbons illimités. Non mais donne-lui pas le cheat code. Ne dis pas trop fort parce que la CIA regarde. Comment il va Manu qui descend? J'aurais dû appeler Manu, mon perso ça aurait été incroyable que je dise ça en même temps qu'on est dans l'ascenseur qui descend. Je vais le renvoyer parce que je vais crever non? Me connaissant. J'ai pas pris l'armure dans les chiottes d'égout. Non. Mais il est malade lui. Attends, il a essayé de me pré-shot là. Je t'ai trouvé! Ça, par contre, ce genre de phrase, c'est interdit. Dans l'ambiance de Bloodborne, il a pas le droit de faire ça. Doubleur n'avait juste pas le droit. S'il m'a combien de temps? Je sais pas, mais je pense qu'on peut le finir ce soir en vrai. Normalement. Attends. Ça me saoule, ça, par contre. Ah non, Sekiro, y avait pas ces problèmes là. Hein. Eh ben, excuse, c'est bon, on peut plus faire de blagues quoi. Narvalo. Orphelin de Kos. Non mais le DLC on va voir mais... Bon. Ça va être compliqué en termes de timing. Mais tu fais pas de follow-up toi, t'es un mec qui... Ok. Rien à foutre quoi. Genre de mec qui a une attaque et qui a pas de suite quoi. Mais ça sert à quoi ça? Je juge vraiment tout ce qu'il fait. Non, on peut pas ça. Ou alors on peut, je sais pas, j'arrive pas. J'adore quand tu dis ça. Le sang parfumé. Oh mytho. Change pas d'arme. Mais il a fait la suite gros. Je suis en train de gâcher toutes mes balles là. Ça va. Il y a une justice dans ce bon dieu de monde. Sur cette boule bleue. Dans laquelle on vole, on tourne encore et encore. Pourquoi? Passe en P2, là, t'es ridicule devant tout le monde. Bâtard se passe à travers. Don't combo me.
Dès que je te hais, hein, donc attention. Genre pas ça par exemple. Ouais, genre exactement. Non mais là, mais gros bâtard en fait. Il m'a fait le truc, mais le pire truc de pute là. C'est ouf ça. Je commence à être tite là. J'ai encore des balles, j'ai encore des fioles. Ça va. Faut que j'arrête par contre de jouer avec les molotov, je pense. Faut que j'arrête d'essayer d'utiliser des trucs. Ça marchait mieux tout à l'heure en vrai. Hein. Quand j'ai pas utilisé de molotov là, quand j'en avais plus, je suis allé plus loin, putain. J'essaye de faire des strats là. On est où? Pas strat dans la guerre. Dans le vrai combat. D'homme à homme. Far Honor. Finir ce soir ou demain matin. Au taf directement. Allez, deux cocktails. Ça va, en vrai on est bien ça. C'est bon. C'est dans la tête après. Hein. Oh, regarde, tu sais quoi? Me connaissant. J'ai besoin de ça. Qu'est-ce que... Tu peux arrêter d'être bizarre, toi? Là, je suis une fiole! On va s'arrêter le couronnement, ça, la fiole en plus. Ouais, t'es sûr. Le compteur de mort, j'avoue, il a recommencé depuis hier. Ça aurait été marrant de garder le compteur de mort sur toute la semaine. Ah, t'as reset carrément sur la partie. Non mais grave, t'as raison mec. Je suis pas vraiment mort et tout. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Pas de E à semaine. Bah si tu dis semaine au féminin, ouais, tu mets un E, mais sinon non. Semaine. Let's go. Ça, c'est le genre de jeu de mots, j'aime bien ça. Mon gascon. Ah ouais, là non. Là c'est un peu ridicule, je le reconnais. Excuse-moi. Désolé mon boy. 14. 14 balles quand même. Putain, attends. Oh. Ça reste un boss de tuto ça, il faut se calmer là. Il fait la suite aussi de tes attaques. C'est pas ridicule. Match nul. Chelou. Il voit des fantômes un peu derrière lui. Fais la suite, gros. Mais plus vite. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai tiré là. Allez mon boy! Allez mon Joe! Tiens. J'en étais sûr que j'allais louper. C'était un peu écrit quoi. Voilà, celui-là, tu sais quoi, tu l'as pas volé mon con. Si si. Je te connais. Je te connais assez. Bon allez, P2. Il va peut-être me laisser lui faire un peu plus de dégâts avant la P2. Ça j'aime bien ça. Espèce de FDP de merde, si je puis me permettre. Enfin ça, si j'avais le seum. Ok, et là, ne pas faire de la merde en fait. Je sais pas si je peux y arriver ça. Boy, là. Oh putain, je suis allé dedans. Attention tout de même.
Merci Seigneur, putain. Merci Seigneur, en fait. Je prends même pas ta merde, tu sais quoi. Garde-la bien, ta lanterne de chiasse full auto, huc. 3500 balles, oh. Ça va se jouer au mental. Non mais c'est bon, là c'est bon, là on est bien. Ça continue. Il y a des gages. Il m'a saoulé Gascogne là. Mais pas trop parce que je l'aime bien quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un bon gars quoi. C'est quand même un des meilleurs boss donc bon. Je peux pas lui en vouloir de me laver en fait, c'est normal. C'est une number 8. Ça je prends, je m'en souviens qu'il faut le prendre ça. Au bout de 10 morts, face reveal, ça va? T'es pas genre sûr que je vais avoir mon face reveal du coup? Pas l'impression de tricher. Au début, je laissais les cinématiques, mais bon. J'ai perdu trop de temps là. Parce que ça a marqué au début, j'étais chill et tout. Je suis en mode vas-y, on va quand même un peu expérimenter le jeu et tout. Non, fini ça. Cette époque-là, elle est terminée, ok? Salut les boys. Idéalement, je me fais pas faucher par la main de l'ombre. Des grandes ténèbres de ses morts. Non, c'est bon. Je veux ça aussi. Pas un mec chiant, mais je veux mes fioles. I deserve my fiole. Ça se fait plaisir. Mes gros mythomanes. En fait, juste. J'ai mon root form et tout, là, je devrais le mettre en fait, hein, ASAP, mais bon. Et là, ne pas se faire one shot par boulet boy. Le boulimique! Je veux ça vraiment. Il est pile là où j'étais, j'ai bien fait de me casser putain parce que la haine qu'il a envers moi c'est. C'est absurde hein, je le sais. Je suis le premier touché. Je vais utiliser la fiole sans faire respect, let's go. Ah là je me sens bien là. Là je me sens mieux avec ma petite tenue de gentleman. Pas deux fois mon pote. Gascon est mort mais sa musique survit. Là j'ai le temps en rouge là. Sur le speedrun j'ai le temps en rouge sur mon premier de genre environ 30 minutes. Mais ça se rattrape ça non speedrun. Faut buter le chien là. C'est une saloperie. Non mais j'ai le deuxième coup qui a loupé. Il faut que je le bute dans mes souvenirs, je sais plus pourquoi mais. Parce qu'après il te poursuit, je sais plus tout. Chier quoi, c'est un chien quoi. Je l'aime bien mais il est chiant. Et ça là-bas ce serait pas des trucs de feu? Allez je vais prendre. Qui a réussi à ouvrir la porte en bas? Tu peux pas l'ouvrir la porte en... si tu... Je sais plus. Ah non, la porte en bas tu peux pas l'ouvrir parce qu'elle mène au pont. Où il y a la bête, le monstre. Mettre des chiens. Bork, bork, bork. Ça fait bizarre quand t'as des portes taille humaine quoi. Dans ces jeux là, non? Vous venez là ou pas? Je me souviens plus. Je parle à mon bestou. Vous chassez les monstres, pas vrai? Je le savais. C'est comme ça que j'ai commencé. Oh, veuillez m'excuser. Ouf la quête. Vous pouvez m'appeler Alfred. Alfred. Coopérer. Prenez ceci. C'est tout ce que je voulais. Je crois pas que je t'ai usé ou quoi, mais c'est un peu tout ce que je voulais. Not gonna lie. Et doggers. Idéalement, je crève pas la bête affamée, hein. On est d'accord? Non. Si je m'amuse à crever à tous les boss trois fois. Le hand reveal. On m'a jamais demandé des photos de mes pieds contre de l'argent. T'as vu les GG avant Victor et ça c'est terrible. Personne devrait subir ça. Ouais. Attends, il fallait pas que j'aille chercher... Ça c'est les antidotes je crois. Ouais. Ah oui non, les mixtures elles sont après. Elles sont là à droite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Cet homme a des flashbacks en direct live. Ça c'est ô combien important, putain.
Est-ce que ça rentrerait pas là? Si, hein, je crois que ça rentre. Ça rentre, ça augmente ses armes un peu. Ça les améliore. Combien il te faut? 1000 milliards de dollars. Toujours pas parler le vieux, hein. Je vais juste pas te parler jusqu'à ce que je te bute. C'est un deal. On est sur du plus 3. Il manque maintenant des fragments jumeaux. Et ça sera plutôt après la forêt et tout. Mais sinon on est pas mal là. Qu'est-ce que je fous d'autre là? Ah oui, j'en ai, non? J'en ai un. Il fait quoi? Allez. Pourquoi pas plus 0,7%, ma foi. On dirait vraiment un livret à taux fixe, quoi. C'est très peu. J'aime bien comme j'ai rangé mon arme en mode je vais te mettre des coups de poing. Un peu terrible. Terrible image. Un peu de thune là? Peut-être ça me permet de... Oui! Un niveau là? Très bien. Ah là, attends. Attends. Je me sens déjà mieux là. Je me sens mieux. Tiens, idéalement on crève pas? Bon, ça va être ma ligne directrice pour toute l'aventure. Idéalement, on crève pas. Ok. Excusez-moi. Hop. Allez, merde. Recomposé comme une espèce de puzzle. Je suis un être humain, putain, j'ai des émotions. Hey, vous. Il me parle comme Renault PMU. Attends, mais là je vais crever si je saute du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis permis de la ville? Je vais clamser ou pas là? J'ai assez de vie. Ça va. Je dois. On a vite fait d'employer des mots. C'est pas vrai en fait, faut juste me laisser chill. T'inquiète, hein, j'ai rien fait, j'ai rien prélevé. J'ai l'impression d'être à un parc naturel où on dit tu n'as pas le droit de cueillir des fleurs. Sauf qu'il y a un mec avec une gatling qui regarde. Salut mon pote. Ouh, pas tombé. Idéalement. J'ai joué à Sekiro, donc attention, le platforming, il faut que je reste chaud là. Putain, il y avait plus de FPS hier. C'était plus simple. Voilà. Quoi, il y a du molotov là? Voilà, et... Ça va? Est-ce que j'allais chercher ça avant? Je me souviens plus ce que c'est, donc non. Je sais pas ce que j'ai ramassé. Ah si, c'est un truc pour aller dans les donjons là. Hop là, petit 3-6. J'ai un peu peur là, ils sont derrière moi. Mais il me faut les fioles. Attends. Merci. On va prendre le raccourci, hein. J'ai pas les balls de pas le prendre. À la limite, tu vois, si j'avais fait mon petit perfect depuis le début, mais là, vu que j'ai fucked up sur Gascon 6 fois. À quoi ressemblent ses mains? Ça va être compliqué peut-être. Non, c'est bon. Ils sont chill, ils sont chill. Pas tous? Ouais. Les gars, je vois rien en fait quand vous faites ça juste. Calmos. Voilà. On dormira mieux ce soir. Ça monte ou quoi, non? Ça monte pas? Ça monte pas? Bon. Merde, il m'a suivi finalement. Ah mais bâtard, t'avais pas dit. Je t'ai attendu 20 minutes là. C'est bon. Et en bas, il y a full, hein.
petite astuce. La grand-mère. Ça va. Il m'a fait un jumpscare. Il y avait plus de framerate, mais il y avait des fruits, c'est ça. Non mais là je pense que je vais m'habituer, mais honnêtement, hein, sans vouloir me trouver des excuses, ça me fait vraiment bizarre là ce framerate. Et je pense que c'est même pas... Parce que je vois, encore une fois, je vois que c'est... Enfin, ça a l'air plus fluide de votre côté que du mien. Du coup, je pense à vraiment mon écran qui doit appliquer un truc au taux de rafraîchissement et c'est méga chelou quoi. Exactement de la technique, je crois que c'est ça, hein. Globalement, juste faire ça et taper comme un lourd. Bon, voilà. J'avoue que lui, je les cheese. J'avoue que lui, je les cheese de ouf. Il a ce qu'il mérite, en fait, il me semble. Hein. Oh, quel plaisir de le défoncer comme ça, lui. Tu sais pourquoi je déteste ce boss, j'arrive pas du tout à lire ses patterns. Ouais, il est chiant. Il est chiant et c'est pour ça que cette technique, je l'aime beaucoup. Puis en plus, il est loin de tout, tu sais, c'est relou de revenir le taper. Encore une fois, les boss de early game, quand tu les fails, je trouve ça coûte cher dans ce jeu parce que tu... Elle est où déjà là? Elle va en haut? Elle va où? Elle est pas là. Bienvenue. Très bien. Oui, il coûte cher parce que t'as les ressources quoi dans Bloodborne. Et ça, ça devient rude. Plus tu perds, quoi. Je l'avais détesté à cause de son poison, oui. Un petit bâtard. Ça me sert à rien, mais je prends. Je peux acheter. De la fiolasse, là. Une, quoi. Une balle d'argent? Pour un seigneur? Merci. Ce que j'ai balancé, c'est les mixtures acres à base de sang. Il est attiré par le sang. Du coup, il va dedans et il a ce qu'il mérite en fait, hein, il me semble. Personne ne va le plaindre. Yo Dio, me suis pas remis de l'intensité du stream de cette nuit. Oui. Bah, c'était intense, hein. C'était long, mais c'était intense tout le long. Pourquoi ma grand-mère joue à Bloodborne? J'ai dit ça. All blood. C'était intense en colère. Oh. Oh. En mauvaise foi aussi peut-être tant qu'il est. Oui. Papy Gatling. Donne. Merci. Monstre. Ah, j'ai pas dit astuce de grand-mère. Oui, bah c'est Mamita, quoi. Là, je crois que c'était... comme ça. Faut que je monte. Après, bon. Ouais, comme ça. Ok. Ah. Ça va peut-être être plus rapide dans l'autre sens, non? Une espèce de grande dame super importante pour le lore. Attends, je vais essayer de lire en même temps, mais pas crever. Dans une sorte de tour de pierre. C'est mon pyromane. Merci les boys. Là, je peux pas y aller, mais. Ouais. Ça mène à un endroit méga stylé. Du coup, là. Une espèce de grande dame apparemment super importante pour l'autre dans une sorte de tour de pierre. Qui ça peut être, ça? Une sorte de tour de pierre. Je fais encore tout le tour pour rien. Let's go. Ah non, il y a un truc. Ok.
Mais je voulais aller l'autre côté en vrai. Not gonna lie. Me butez pas, je vous en supplie. Merci les potes. Oui, c'est ça, je crois. On descend. Mais après, il faut que j'aille là. Je fais un... Mon cerveau là, il tourne à 110%. Mais voilà, bonjour. Non, faut que je t'aide. Merci. Merci. Mon petit seigneur. Alors là... c'est la merde, mais... Parce que je me souviens plus comment exactement. Bon, l'important c'est que j'arrive en bas. Quelle que soit la manière. Mais juste pas crever, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça mes conditions quoi. C'est pas bon là non où je suis. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Sorry mon bro. Rien contre toi, rien de personnel Kido. J'adore cette zone mais bon, j'ai perdu trop de time là. Je me suis mis trop la pression en étant une merde sur Gascogne. Ça dégage. Lady Maria ? Ah elle est dans un... Dans un clocher, enfin dans une salle avec une énorme horloge là. Je sais pas si tu parles d'elle mais oui. Bon, je vais ouvrir là quand même. Mamie qui perd patience face à Gascogne. Plutôt Gascogne qui perd patience face à ma mamie en fait, il me semble. Pas pourquoi ce serait l'inverse, je veux ça. Merci les thunes. Hello. Ça aussi je veux. Non pas elle, ah d'accord pardon. Il y a Ebrietas mais c'est pas vraiment une femme, c'est plutôt un truc chelou au fond, une entité quoi. C'est pas dans une tour. À l'origine des magouilles sur le sang. Salut ma bonne dame. Alors j'aurais dû laisser la cinématique marquée, stylé. Top là un truc, j'ai pas bien fait je crois. Pas rien. Classique Bloodborne. Toujours est-il que ça dégage hein, il me semble. Désolé hein, je t'aime bien, je t'ai pas respecté du tout, j'ai pas laissé la cinématique, je t'ai pas laissé vivre, bon. Des choses qui arrivent hein. Lady Dimitrescu. C'est trop stylé Lady Dimitrescu, c'était la meilleure partie de ce RE. J'ai bien aimé le combat de boss en plus. J'adore cette cinématique. Et peur du vieux sang. Trop chelou cette phrase en français. Redouter le sang ancien. Nos yeux ne voient rien encore. Ça me paraît bizarre comme formulation, non? Qu'est-ce que t'en penses, Gnagi? Bah ouais, je suis en train de réfléchir. Je vois pas quel boss ça peut être, Pastelos. Par les dieux. Gâchis Resident Evil, j'ai envie de dire.
En vrai, celui-là, ça, moi j'ai moins aimé celui d'avant. J'avais pas du tout. J'avais bien aimé le début, et puis après, j'avais pas du tout aimé le 7. Le 8, je l'ai trouvé pas trop mal. En fait, j'aime bien tout l'aspect village et tout. Mais j'avoue que après Lady la waifu, bah j'aime moins quand même. Vas-y, je vais dépenser mes thunes. Mais je le trouve quand même sympa. Mais j'aime moins, ouais. Puis il y a des délires. Toute la partie avec le mec marteau là, qui littéralement qui est un marteau quoi. Et qui est marteau. Qui fait de la magie un peu, enfin qui fait son truc là. Très chelou ça. Comme combat de boss. Dans un mecha et tout, ça a aucun sens. Enfin bon, je veux pas trop spoil non plus. Bon après Resident Evil, tu t'attends pas à beaucoup de cohérence. à ce que ce soit pas what the fuck on va dire, mais. Est-ce que j'ai de quoi fortifier encore là? Non, que dalle. Je sais pas pourquoi je suis repassé ici, tu sais quoi? Ça sert à rien. Queen. Ah, la reine! La reine Plumériane, oui, bah en même temps c'est une boss de donjon de Carlys. Du coup elle est chiante à atteindre. Faut se taper pas mal de donjons générés de manière procédurale. Et même si c'est sympa, tu vois, tu le fais pas souvent quoi. C'est pas un truc que tu fais. Merde, c'est un mauvais endroit. Rien à voir là. Moi je l'ai fait une fois genre ce boss. Mais tous les boss des donjons de Carlys d'ailleurs je les ai fait une fois parce que je l'avais plus jamais refait dans d'autres games ces donjons. Quand même très répétitif. Peut-être pour ça que tu vois pas beaucoup les streamers le faire, parce que je pense que ce serait pas très intéressant à regarder. Ouais, c'est le rien encore. L'aspect encore, je l'aurais mis avant le rien, non, je sais pas. Ça me fait bizarre en fait que la phrase finisse pas par rien. Mais je sais qu'on peut pas dire encore rien, je suis pas fou, mais. Ayos Valiorn, ça chill ou quoi? La team va ma foi très bien. La team se porte bien. Enfin, je parle pour moi. Là on est lancé, c'est bon les potes. Salut mon pote. Donc. J'ai l'heure. Non mais t'étais là au début. Faut dire que je suis trop fort à ce jeu. Non mais merci en vrai, ça fait plaisir. J'ai beaucoup tryhard ce jeu donc. J'ai juste à prendre un compliment en fait sans me dévaloriser. C'est un travail que je fais sur moi en ce moment. Enfin, à partir de maintenant quoi. Je viens de le décider là, globalement. Les suceuses de cerveau là. Oh oui. Direct dans le corbeau. J'ai mis un coup de boule au corbeau là. Pièces étincelantes, ne jamais les oublier, elles sont très importantes. Et oubliez pas que c'est vous la pièce étincelante. Vous êtes étincelant. Vous êtes breathtaking. Je te reparle pas, ça te dérange pas Albert? Si t'as pas de loot à me donner. Ah si, il me donne peut-être un truc là, je sais plus. Quel est le mot de passe? Ça. Oui, il parle comme un fourche-langue. Avec cette tronche. Voilà pourquoi j'aime cette tenue, c'est qu'elle laisse place au personnage. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la tenue classique, ben elle cache le visage et ça c'est quand même dommage dans notre cas. On a quand même des pépites quoi. Je saute de partout, c'est n'importe quoi. Je suis dans Dying Light 2 encore dans ma tête. D'ailleurs, j'ai trop envie de jouer. J'ai failli jouer aujourd'hui. Mais je me suis dit, je vais garder mon énergie pour le stream sur Bloodborne. Je vais pas trop abuser non plus. C'est pas dans mon tempérament faire des streams de 10 heures parce que je suis un gros forceur. Sur Sekiro, genre. Eh oh! Genre d'huile là. C'est un truc par là? Et voilà. Non? Je suis en train de tellement confondre. Ouais, hein. Je me rappelle même pas de cet endroit. Ça fait si longtemps que je suis pas venu. Craignez l'ancien ancien, s'il vous plaît. Attention au sang ancien. Combien de fois faut le dire, ça, les potes, là? Il est vieux, le sang. Touchez pas à ça. Trop beau ce jeu en fait. Vraiment envie qu'il y ait un remaster de porc. Laisse-moi vivre. Merci. Tiens. Ah, j'ai pas activé le piège. Ah, c'est là à droite où il faut que j'aille. La 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 la.
Ça te regarde pas en fait cette affaire. Reste en dehors de ça le corbeau. T'aurais mieux fait de te mettre tes affaires, étranger. On n'aime pas que les étrangers se mêlent de nos business dans cette petite ville. Je suis BG mais pas streamer. C'est impossible du coup? D'être BG sans être streamer? Je sais pas. Oh non, il s'est trompé de passage là non? Je sais plus. Non, non, peut-être pas. Non, c'est par là. On est bien dans un village de Resident Evil 4. Tout va bien. J'aurais dû mettre le jeu en espagnol pour vraiment avoir le mood Resident Evil jusqu'au bout. C'est de la merde, mais j'y vais quand même. Oh, ça va, c'est des balles de vif argent. Les dogs. Attention aux dogs. On pourrait croire que c'est des good boys, mais ça fait trop longtemps qu'ils sont abandonnés dans des caches. Ça les a rendus zinzin. Je savais que t'allais faire ça. T'es un mec qui a ses habitudes, on va dire. Exactement, qui sait. Pour le coup, c'est pas mal d'avoir la VF des fois parce que je vois vraiment ce qu'ils disent, tu vois. Parce que d'habitude, j'écoute, mais sans écouter, tu sais. Classic move. J'entends ce qu'ils disent sans entendre, quoi. Attention au canon des dieux, là. Canon le moins dangereux de l'histoire. Maudit. Hostie. Salut mon pote. Petite ambiance sonore avec le vent là, c'était stylé. Not gonna lie. Je vais prendre l'ascenseur quand même. Oh le bâtard. Il m'a fait une attaque là. Classique des fourches langues ça. See you later, alligator. Montre comment t'es BG, mais y'a pas besoin, je pense, hein. Enfin, si, regarde. J'aime bien me refaire dans les jeux. Le jeu dont vous êtes le héros. Voilà, je prends quand même des sécurités, hein. Ça me ferait chier de devoir tout refaire. T'es qui en fait? Le mec à qui les autres préfèrent parler. Non mais votre petite rixte là, il va falloir que vous arriviez à vous entendre à force. T'es à droite encore? La forêt c'est bien compliqué là niveau mémoriel. Ah oui, c'est bon. Angry boy! Potter, le garçon qui a survécu. Et on se met bien là. On est sur du fragment jumeau de sang, mon pote. On se fait péter la bourse, on se fait péter la panse. Notre escarcelle à ras-bord. Les potes. Oh yo, j'en ai combien là? C'est important. C'est où déjà? J'en ai 17. Il m'en faut pas genre. Non, il m'en faut 16, je crois. C'est bon. C'est bon. Tutti bene! Comme disait ma grand-mère italienne. Pas souvent. Tout bien! Ah! Ah! C'est mal aux oreilles ça. Je suis content de pas avoir un chien quand je joue à Bloodborne. Le pauvre. Mes parents ils m'ont généré de manière random. Bah un peu en vrai. Quand on y pense. Si on veut être un peu deep là. On est tous générés de manière aléatoire. Elle est où déjà la remontée? Elle est plus loin? La remontada. Non parce que là je vais aux ombres. Et bon. Normalement ça devrait bien se passer mais. Dans le doute je préfère avoir un petit raccourci quoi. Et ça surtout j'ai envie de faire ça. C'est important ça. Ça c'est très important. Je me vois pas faire Bloodborne sans avoir fait ça. Tutti bene face à Gascogne. Ça fait partie des moments qui ont marqué le jeu vidéo ça. Que deux fioles mon radino putain. Petite tabarnak. Et c'est le raccourci.
Le raccourci qui en lui-même est extrêmement loin à aller chercher quand même. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, ils appellent ça raccourci, mais c'est quand même loin, c'est quand même long. Raccourci au service du pognon. Il y en a qui sont plus aléatoires que d'autres. Tu fais mon regard. En pastis en fait, globalement. Et c'est bon, on peut aller voir les ombres de Yharnam. Oui. Petit côté Marilyn Monroe là, pas piqué l'hanneton. Les hannetons qui s'essuient la sueur de leur front là. Ils font fiou. J'ai dit un chine. C'est fou quand même comme j'arrive toujours pas à parler. J'ai jamais pris des cours pour arriver à parler. Personne ne m'a jamais recommandé, tu vois. Personne n'a jamais osé me dire qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin, un des trucs qui allait pas, c'était ça, quoi. C'est juste que je parle de manière procédurale, c'est tout. Ça vous déplaît, ben. Là, je suis caché. En mode Sekiro un peu. Il charge. Charging boy. C'est bon. Angry hippo. Oui, vraiment, le big boy. Et en plus, il a dû avoir des reviews et tout sur ça. Non, là, tu l'as fait trop gros. Attention. Ils ont tourné le Seigneur des Anneaux dans un vrai truc. Je me rappelle plus l'ordre. Je crois qu'il faut juste garder le mage en dernier, genre. Oh, le bâtard, il a fait... Oh, un effort, là. Oh, c'est le bougieux qu'il faut gagner, hein. Faut garder en dernier. Je sais plus. Bien qu'il faut qu'il crève assez vite. Enfin, qu'il crève en premier, quoi. Oh le bâtard. Oh non, mais what? Je pensais que ça allait me faire une petite piqûre, quoi. C'est quoi ces dégâts de bâtard là qu'il m'a fait avec son feu? Insane. Eh ben. Ah, mais je suis pas allé m'améliorer mes armes, tiens. J'aurais pu faire ça, ouais. Bon, je vais le faire. Il m'a pris par surprise. Je vous abandonne. À vendredi pour la découverte. Mais je te jure, bah bonne semaine du coup, Pastelos. Amuse-toi bien, loin de nous. Nous abandonner. Par en même temps que Pastis. Oui, non mais... Ah. T'inquiète pas. Bon après, Pastis, on sait quand il part, c'est quand le verre est vide. Faut faire semblant d'être là. Mais non, ça me donne de l'énergie là. Moi j'ai toujours un chat qui est hostile contre moi là. On fout la pression. Ma manette là elle veut plus. Merci. 1800 boulets quand même. Allez là je peux améliorer mon arme déjà, je vais augmenter de ouf mes dégâts en fait. Il me semblait que je tapais pas très fort là contre les boys. Ça va faire du mieux ça. Trop faut améliorer, fais voir. On est d'accord qu'après je suis sur du morceau, ouais. Ah, le morsif, il va falloir que je me souvienne où c'est. Et ça, ça va être plus compliqué. Bah tu sais quoi? Je suis un mec comme ça. Ah non mais Eldor, il faut que je la tape. Faut que je la tabasse. Ah dommage. À deux doigts de la tabasser pour la réveiller. Je rappelle mon enfance. Voilà. Merci pour tout. Puisse. Suisse. Bois interdit. Et regarde-moi y aller. Je viens de débloquer une emote dans MHR, je pensais que ce serait une danse, c'est envoi de bisous. Let's go! Y'a pas envoi de sub. Bienvenue dans notre rêve. Envoi de sub pour my god. Passe-toi le bot. C'est quoi ce délire? Pourquoi il me follow? Il vient me voler des infos. C'est un infiltré, putain. Bah merci, passe-toi le bot. C'est vrai qu'il y a deux ascenseurs pour tourner à eux, c'est terrible.
Allez, on va essayer de pas se faire one shot, je sais pas ce que vous en pensez. En général, les streamers ils font pas trop cette stratégie. Merci. Ça compte sur mon PC portable. Pastagal Rapia, ce serait pas mal en vrai, c'est un nouveau skin. Le PC pote bleu. Salut Thomas, salut tout le monde, salut Pompelou, ça fait deux fois que tu m'appelles par mon prénom. Fiole 19 balles. Est-ce que je suis fait voir les dégâts un peu? Je vais être mon référentiel par rapport à tout à l'heure. Ok, un peu plus. Un petit peu plus. Même. Ouais. Ça vient pas directement dans ma poche là. Je vis une douce utopie là. Je vais y chercher que deux encore, hein. Salaud. Hein. Hervé. Il y avait un mec qui s'appelait Hervé dans la boîte où je travaillais avant. Bon, c'était un bon chum quoi. Un bon go. Remarque, je dis j'ai 20 fioles, ça va le faire, mais en fait, ça n'a pas été une question de nombre de fioles, d'ailleurs. C'était une question que j'ai pas eu le temps de l'utiliser. 3 granulés de sang de monstre, j'aimerais bien ne pas mourir encore. Et papier de feu aussi, j'en ai qu'un là. Ça, oh les dégâts. Oh arrêtez. Je vous entends en fait. Non 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 mais deux fois. En plus ça me stun quoi. J'ai essayé de me barrer. Bon bah j'ai plus de... Bon, après c'est pas grave ça. Bon j'ai plus que deux granulés. Je sais plus si je m'en sers après des granulés ou pas. Bon après il y aura pas forcément besoin si je suis loin. Je ferai des dégâts avec mon arme quoi. Né de Sandrine et Hervé. Le granulé en fait c'est un truc qui se... ça booste tes dégâts de ouf mais c'est un stack. C'est en gros plus tu tapes, bah tu vas voir si j'en réutilise un, il y a une jauge en fait qui apparaît. Et quand tu tapes ça la remplit, donc plus tu tapes plus tu fais mal. À des points où c'est juste... je sais pas jusqu'à combien de pourcentage en plus mais c'est insane. Hein. Quand tu cumules avec un buff dans le feu que je n'ai plus. C'est pas dégueu. Au pire, je vais essayer de pas utiliser les granulés là au début parce que j'ai l'impression que je vais attendre d'être un peu plus loin. Et... enfin, je sais pas. On va voir. On va voir comment ça se fait sans. Faut juste que je fasse attention en fait avec ce boss. Attention à lui particulièrement. Enfin pas toi hein, pas un cochon qui se dandine mais le boy avec son feu là. Mais je suis surpris parce qu'il m'a jamais vraiment posé problème lui et là il m'a juste défoncé deux fois de suite quoi. Peut-être que c'est lui qu'il faut que je target ce chien. Je me rappelle plus en fait entre les deux qui font du feu lequel est à tuer en priorité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a Katana Boy qui doit disparaître, quoi. Les poupées de My God. C'est pour ça que j'ai mal au dos, des fois. Je plante des aiguilles dans mon dos. Une forme de chauffage. Oui, c'est très bien, ça. Ça rend des blagues de... je sais pas, de diagnostiqueur thermique, quoi. Comment ça s'appelle? Attends, parce qu'il y a encore le Fuego des Navidad, là, en fond. Ou alors je bute lui et puis après il restera Bougie Boy. C'est vrai qu'il est chiant lui avec ces trois trucs là. Ça reste le plus chiant de tous en vrai. Vas-y viens là le cataneux. Le bon cataneux. Pas toi.
Ah, il oriente en plus son truc. Non, le bâtard. Oh, oh, oh. C'est ça que je faisais aussi. Oui. Ça va aller mieux comme ça. Peut-être. Tant qu'il m'a pas fait le feu, ça va. Le feu, ça aurait été terrible à ce moment-là. Oh le bâtard! Je l'ai call, je l'ai demandé en même temps. Je l'ai appelé à moi. Faut bien que je le reconnaisse. Ça c'est horrible ça comme situation, tu sais, où il te met le feu alors que t'es en train de... Je suis pas bien là. Faut qu'il crève lui. Et ouais. C'est un peu ça le problème maintenant. Je pensais qu'il allait être... Non, pas bon là. Pas bon, pas bon, pas bon. Pas bon, et puis la fuite. Jamais bon. Ah oui, très bon ça. Ok. Non. Attends, on va se recentrer là, notre énergie vitale. On va se mettre là. On voit des sabres, c'est ça. Ça peut être un boss sur lequel je passe entre 5 minutes et 12 heures. Approche mon bon. Mon con même, je dirais. Mal ça. Live quand même. Bon alors lui normalement la technique est très simple. C'est juste très long quoi. Là t'es dead. Ça dégage. Ça dégage les ombres là. Comme Sarkozy, j'ai changé. Il a dit ça, j'avoue que je... Merci pour les JJ. Attention à lui là. Insectoïde. Par contre là, il y a... Il y a... Vous savez qui, juste après. Toujours un mauvais mood. Ciao mon pote. J'adore leur design, il est vraiment parfaitement dégueulasse. Le délire des yeux dans ce jeu là, il est trop bien quoi. C'est juste immonde. Déçu de pas devoir utiliser la canne fouet. Non mais ça aurait été trop long là. Ça aurait été l'enfer. Tu peux genre être à ton poste de temps en temps? Pas pour faire mon vieux qui réclame des trucs mais... Bienvenue chez vous, bon chasseur. Que désirez-vous? Très bien. Que les Et du coup, de toute façon, là, ça va être un peu plus chiant. Où est-ce que j'irai? Tiens, vous savez quoi? Déjà, je vais aller me chercher à boire. Je vais revenir. Petite pause. C'est ce que j'ai pas fait sur le stream d'hier et c'est pas bien. Il faut faire des petites pauses toutes les deux heures environ. Donc je reviens, mes braves, dans 5 minutes. Hein, peut-être moins en vrai. Je vais voir. A tout de suite.
Quand je me suis forcé à être loin de vous. Pour faire une vraie pause, c'était bizarre. Bien mieux que la canne que le fouet, et même en soi le fouet n'est pas si mauvais si c'est bien utilisé. Pourquoi je lis ce message au hasard alors que je suis parti pendant longtemps? Déplacer le chat, il est sur là, mais ah bah oui, grave. J'ai même pas fait gaffe, tu vois. Je peux le mettre au milieu si j'arrive à le choper. Bien entendu. Regarde là. Zoom, c'est très lent finalement. Hein. Mais on arrive. Je voulais vous dire un truc, mais je sais plus quoi, c'est dramatique. La vie est réellement cruelle, oui. Tout à fait. J'ai déjà amélioré... Ah tiens, je peux mettre un truc là. Ah non, l'outil de l'atelier, je sais plus où on le chope d'ailleurs. Mais je l'ai pas. Ça c'est déjà là. Oui, et ça... Et ça, et ben... Vas-y. Au moins j'ai des papiers de feu pour toutes les occasions, mes amis. C'est pas dégueu ça. Ça va être bien pour Rome. Pour tuer les petites spiders. Par contre, j'ai pas hâte de le faire du tout, ce bâtard. Si je puis me permettre. Il reste un peu d'argent là, j'ai combien de fioles? Que dalle. Allez. Voilà. On retourne le voir. Terrible. Pas envie de le faire en fait, juste. Salut Trashmet. Tu voulais nous dire pourquoi tu faisais pas la run fouet promise hier en stream? Promise. Hier, j'étais à mon plus vulnérable, ok? Tiens, c'est Kiro. Vous pouvez pas prendre ce que je dis pour une réalité. Doom. J'ai sans doute dit beaucoup de choses que je regrette aujourd'hui. Non. J'analyse au fur et à mesure si c'est des loots que je veux. En l'occurrence ici je crois qu'il y a que dalle que je veux. Je veux juste pas que le mec en haut il me bute avec sa magie. Ça ce serait pas mal. Ah putain, attends, on va faire ça. Arrête. On va quand même faire ça. Parce que Rome... Rome est Rome quoi. C'est ce que je veux dire. Arrêtez. Je peux partir du principe que je vais forcément le first try ce chien, même en prenant le temps. Ah voilà, il est là. Oui. Tu m'as pas fait la magie. Ah. Incoming. Putain, tu sais que ça monte, hein, c'est incroyable. Les tirs d'artillerie. En cloche. Découvrir Elden Ring au fouet s'il y en a. Non, mais moi je vais m'amuser sur la première run. C'est quand même important ça. Et en haut, je me souviens plus ce qu'il y a. C'est quand même dingue ça, non? Ah oui, il y a un mob, non? Bolos. Et il y a... Ouais, je m'en fous de ça, hein, globalement, je crois. Lui, c'est vraiment fait pranker pour le coup, là. Dommage de le vivre. Attention à la magie noire. Elle est où? Elle est pas remontée? Ok. Créer du Lunarium. Salut mon pote. Attention au vieux sang. On est d'accord. Oui. Top 10 des moments les plus chelous de Bloodborne. N'abusons pas. A mon avis là, elles me one shot si elles me font le saut là. Ces saloperies. Essayez de choper celles qui sont isolées. Toujours une bonne idée ça. Meurtrir les plus vulnérables. Je t'avais pas vu toi. Eh ben. Voilà. Ça sent relativement chill là tout, non? Qu'est-ce qui vous arrive? Le fameux. On a fait des cauchemars avec cette saloperie de saut.
Tellement chill l'autre derrière là-bas. Ah, pas mort. Deux. Je suis plus sûr de me souvenir de tous les moves de Rome. Non mais je sais que je frappe sur la tête en pierre, c'est qu'au bout de 3 coups ils prennent full dégâts. Ça fait sauter leur défense. Je suis pas non plus... C'est quoi ça, il faut courir tout droit? Oui. C'est quoi ça? Pareil? En même temps là t'as forcé aussi. Encore? Non, si. Bah ouais, non mais là, gros forceur en fait. Laisse chill les gens qui veulent chill quoi. Elle me déplaît toute seule là-bas. C'est une outcast, faut que je la libère du tourment. C'est très bien comme attaque, j'aime bien. Tu peux faire ça en boucle, genre. Plutôt que l'autre qui est terrible. Celle-là est terrible. Je me rappelais pas qu'il a spammé autant. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Depuis Blue Dawn PSX. Oh là là, oh là, oh là là. Je sais pas comment je suis passé à travers tout ça là, mais miracle. Le miracle existe, mon fils. Just got to believe. Il veut pas courir, il veut pas courir. Oh, le bâtard. Ouf. Non. Ouais ouais mais gros. Il se défend là hein. Midlife. Merci du faux Trashmet, fait plaisir. Juste là tiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de me contourner là. À d'autres. Oh, horrible ce boss en vrai. Le concept est terrible quoi. Bande de chiens. From Software vous hait. Attention, il fait la queue de poisson là. Bien, éloigne-toi du troupeau. C'est comme ça que les loups chassent. Ils sont partis comme actifs là. Hein. C'est dur en fait toujours de garder un œil sur le bolos. Qu'est-ce qui se passe là? Il y en a qui sont paumés d'araignée. Loin de tout quoi. Je suis désolé, là, je rate pas trop le chat parce que bon, je préfère me concentrer et qu'on le passe en une fois si possible. S'il est long, il est relou.
stressé là. Donc ça va ? Il a survécu. Dommage. Entre les deux yeux. Enfin, je sais pas lesquels, mais entre certains de ces deux yeux. Ah, je l'aime pas celle-là. J'avais oublié qu'elle existait, tiens. Mais tu m'as fait un bon rappel. Le chien. Ouais. Ah, tu le barres plus là, ça? Ah ouais. J'aurais limite dû essayer de tuer quel qu'en soit le prix, quoi. Mais bon, c'est pas mon tempérament. J'utilise une fiole au cas où, parce que j'ai peur. Peur de tout, peur de cette vie, cette saloperie de vie. Ça dégage! David est un mensonge, alors mais. Ment avant qu'on te le ment, qu'on te mente. Ça, c'est des bons messages, ça. Et ça, ça fait un métier de service public, quoi. D'utilité publique. J'ai envie de couper ton. De couper en deux, en fait. Hein. Apollo Grid, oui! J'aime beaucoup ça. Ça, c'est des blagues de producteur. Oui. Merci pour les GG. Bon, j'ai vraiment fait petit bras, hein, mais pas envie vraiment de refaire Rome. De toute façon, sur la rediff, je vais enlever le début de la run où on a refait 4 fois, 3 fois Gascon, là. Je sais plus combien. Je te fais depuis un moment essentiellement pas en live mais en rediff sur YouTube depuis 5 ans. Et bah écoute, ça fait plaisir Trashmet. Et je sais pas s'il s'enlève sur Twitch si tu arrêtes de regarder pendant longtemps. Ou si tu passes plus. Je pense pas, non. Mais même sur YouTube, en vrai, il y avait un moment, il y avait des... Vous savez, YouTube désabonnait tout seul les gens. Mais moi, je suis toujours à 50 000 abonnés. J'ai un peu de mal à croire qu'il y ait 50 000 personnes qui traînent sur ma chaîne. Ah ouf. Jalilux TV, merci pour le... on rentre dans l'horreur là. On rentre dans le vif. Merci pour le sub, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Du coup, j'ai tout loupé ce que vous dites depuis tout à l'heure. C'est juste l'angoisse. Il y a un pan comme ça de l'histoire de la chaîne que je n'aurais pas, quoi. C'est mon lot. Ça, c'est un truc que je veux, ça. Ouais, c'est de la thune, c'est de la thune. Je suis dans l'ombre depuis 8 milliards d'années. 8 milliards. Et ben merci, en tout cas, ça fait plaisir. Merci d'être dans l'ombre et merci de ne pas y être non plus. C'est quoi ? J'apprécie les deux situations que tu t'es créé. Morceaux de pierre de sang, alors ça il faudrait que je les trouve tous. Faudrait que j'en trouve assez quoi, globalement. Je suis désolé hein, de run de partout si c'est pas ce que vous vouliez voir. J'avoue qu'on n'est pas sur de la véritable slow run, mais on n'est pas non plus sur du speedrun, c'est un peu chelou. Je fais un mix quoi. Mais c'est vraiment parce que je veux le faire... En une fois, en fait. Plus de 72 heures. J'avais même pas fait gaffe. Ça, je le veux pas, mais je vais le prendre. Ouais, c'est ça. Hein. Exactement ça, ça va. Je me souvenais que je le voulais pas, quand même. Pas mal. Quelqu'un qui me court après, là. Je le sens. Je sens une présence derrière moi. Là, en bas, il y a une clé, mais je sais plus pourquoi. Un truc dont je me fous, je crois. Royalement, non ? Il me semble, hein. Je peux chercher au pire, non. Attention, ça a piqué là, l'essentiel. Je m'en souviens très bien de toi, saloperie va. Le nombre de fois où je t'ai loupé. Putain, mais même lui, là, je lui fais pas de dégâts, quoi. Ça annonce du mauvais pour le boss. Ça se fait plaisir.
Là, on va rentrer, vous savez quoi? Là, on va rentrer. Et on va avoir le The One Reborn que je n'aime pas du tout. Imagine combien on serait si tu jouais bien. Super méchant et gratuit, ça me plaît. C'est un classique sur la chaîne. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je joue contre le chat. La plupart des streamers, ils jouent avec le chat. Moi, je joue contre. Tout le monde me déteste, de toute façon. Vous m'avez jamais aimé. Vous êtes là juste pour me voir échouer, de toute façon. Bon. Elle est déjà en plus 6, pas mal. J'ai claqué combien de... claqué quand même 6 papiers de feu sur le bolos, là. Bon, je peux racheter ce que j'ai utilisé, mais... trop de noms à mentionner. Oui, je te jure. Tu parlais de chiffre d'affaires, Xanagi ? Nearly, pardon. Vous avez tous les deux pseudo vert. Après, là, ce que je te fais, c'est des blagues de comptable. J'ai même pas fait exprès. C'est encore une fois le Six Axis qui fait des emotes tout seul sur ce jeu. Et là, il a fait juste l'emote approprié. Un petit bonjour. Je sais plus jusqu'à combien j'allais en vitalité. Parce que de toute façon, j'ai pas besoin d'endurance. Et ça, ce serait pas mal, mais bon, le scaling... Oui, oui, pourquoi pas. Mais avant tout, pas le scaling, tu vois ce que je veux dire. Avant tout, tout ce que je peux avoir d'autre. 20 000 boules, ça? Ah ouais. C'est frénétique, 3000 boules. Ok. Bon, de toute façon, quand je serai à 40, je sais pas, je crois que c'est 40 le soft... pour la vie. À partir de 40, je pourrais arrêter, quoi. Je vais avoir une barre de vie, mon pote. De RPG... quand t'as fini Fallout quoi. Tu roules sur le jeu. Oui je sais, Nerly, j'avais capté. C'est la petite blague de comptable, bon. Fais comme on peut quoi. C'est un no hit run mais en fait c'est moi qui touche pas les ennemis. C'est le concept. Pacifist run jusqu'au bout. Du coup je dépasse pas Gascogne. Parce que je suis engagé comme mec. Il y a plus important que finir les jeux vidéo. Mettre des chiens là. En vrai j'aime beaucoup ta profession et je rêve de la faire donc je te tue mais c'est un regret un peu. Enfin je te tue. Chill un peu là quand même. Oh! Fiole de sang. Tiens il y a Parle sombre bête en bas. Est-ce qu'on va voir le Parlou ou pas? Sachant qu'il peut me ruiner ma vie lui globalement. Parle. Nanana. Pourquoi j'ai ça en tête? Ridicule. Il est où là le running boy? Il y en a un non? C'est pas un petit running machin là? Bon. Dégueulasse, t'es dégueulasse, t'es dégueulasse, tu fais peur. Je vais faire des cauchemars de toi. Je sais pas ce que je fous là. Ah voilà, ce que je fous là. Oh, oh là là. Ah mais oui, il a le Tony Truss lui ou un truc dans le genre, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a mais stylé. Je vous ai exactement où je veux. C'est pas vrai. Dans les souvenirs, il y avait un petit truc qui galope là. Ok. Ok. Loot que je veux pas, type beat. Ah voilà. On va voir Parle ou pas? Allez. On peut se faire des petits plaisirs aussi. Hein. Pas mal de morceaux de sang là. Je dois avoir de quoi améliorer au moins une fois, non? 5. Il fallait 5 ou 6. Je sais plus. Il y a moyen qu'ils me ruinent. Ma life. Ils me détruisent tout. Tous mes rêves. C'était pas une AOE dès le début? Si. Lui, ça fait extrêmement longtemps que je sais plus combattu en vrai. Genre de boss, tu vois, qu'on fait jamais aussi. Ah, et voilà. C'est bon. C'est bien ça. Il est vraiment stylé Parle mais je me souviens que j'étais arrivé très tôt sur lui et qu'il m'avait massacré.
Vous savez, je m'étais fait capturer dans le sac à déchets de l'autre là. Il m'avait emmené ici dès le début et Barl m'a ruiné. C'est très bien. Mais là, quand tu reviens après, et ben là, il est chiant par contre. Calme-toi. Re-energize yourself, my boy. Juste en train de le coq bloc 3000 là. Je vois rien. Je vais pas te mentir, ça fait plaisir de te ruiner ta vie comme ça à toi là. Tout ce que tu mérites, saloperie. Je te hais. Bref. Me parle pas. Mais oui, non mais voilà. J'ai fait une emote. Ça, c'est encore des bonnes blagues en fait. Il va très vite dans les FromSoft, alors quand il dit qu'il ne fait pas de speedrun, ça me fait presque rire. Genre la run, ça va à balle. Mais c'est, en fait, c'est ça, hein, c'est le début, je trouve, qui est difficile sur Bloodborne, puisqu'après... Et tu vois, c'est ce que j'avais pas trop sur Sekiro, c'est que t'as plein de... Comment dire? T'as des optimisations de port, bon... Et qui sont faciles à atteindre, tu vois. Sekiro, c'est plus du skill. C'est ça qui me fait défaut. Là, c'est juste, bon, tu utilises certains items, certaines armes, et elles tapent tellement fort, c'est absurde, quoi. Je trouve. Typiquement le coup près là, c'est n'importe quoi, les buffs qu'il a dans les combos et tout, ça n'a aucun sens. Avec le granulé de sang et tout. Alors je sais que t'as des items qui sont puissants dans Sekiro, mais quand même quoi. Après c'est typiquement parlé par un mec qui n'a jamais trop opti ses Sekiro, qui n'a jamais trop joué. Donc si ça se trouve, il y a des moyens de vraiment opti, je dis n'importe quoi, mais c'est juste mon ressenti comme ça quoi. Sur pourquoi Sekiro c'est le moins bon de tous les From Software et c'est pas vrai. J'arriverais même pas à faire un classement en vrai de tous ces jeux. Alors certes j'ai moins joué à Sekiro qu'aux autres, mais tu vois j'ai quand même bien kiffé quoi. Malgré qu'hier j'avais bien le seum. En vrai je pense que ce serait Demon's Souls tu vois. Sans compter les jeux qu'ils avaient fait avant. Ce serait Demon's Souls que j'ai quand même bien aimé quand je l'ai fait. Mais juste il a vieilli terriblement quoi. J'aimerais trop faire le remaster là. Ça m'y fait penser. Pourquoi vous me faites penser au truc que je peux pas avoir? C'est Sekiro moins bon, c'est pas vrai, il faut vite le dire. T'es un malade toi. Non, je sais pas, moi j'avais bien aimé Sekiro. C'est juste que je retrouve pas autant de replay value. Mais bon. Je trouve c'est quand même un jeu rudement sympathique à ma foi. Je me suis fait laver là, qu'est-ce qui s'est passé les potes? On était tranquille là, on était chill. Ah, il y a des classements qui sortent là. J'avoue, faites-moi vos classements. Envie de vous classer. Ça sert à rien ça, mais je le prends. C'est ça la vraie mentalité. La bonne mentalité. Y'a pas genre là. Si là, y'a un truc là que je veux. Non? Pas un boy là, de l'autre côté, je sais plus. Non, c'est juste un raccourci de merde. Et oui, maintenant ils sont là-bas. Il a le canon lui. Trop bien. Canon boy. On t'appelait. Parce qu'il avait un canon. Il y a bien du morsif de sang vers là, non? Un ou deux. Ouais. Non. Non, non, non. Bon. On peut essayer de... Malade. De faire le 1 Renaki... Celui qui Renaki. On va appeler comme ça, je crois. Un jeu qui m'a cyberbully. C'est vrai que je suis sympa. Non, parce que tu sais, je veux pas juste... Avec mon seum, masquer le fait que j'avais pris du plaisir en fait, sur, quand j'avais fait le jeu de base, je m'étais bien amusé. C'est clair que hier, je peux pas dire que j'ai pris beaucoup de plaisir sur le combat de boss qui a duré 4 heures, quoi, où je me suis fait laver. Hein. Pas mentir non plus, quoi, mais. Et encore, sur le vieux là, sur la deuxième phase, franchement, ça allait, c'était la première phase que j'ai détestée. Que j'ai haï. De tout mon sou. Dieu sait que je suis sous.
Ouais, hein, je continue de looter les trucs que je veux pas. Aïe aïe aïe, dégueulasse, gros porc. Porcasse va. Ça. Non, hein. Et l'autre côté là-bas. Faudrait que ce soit un morciflax, non? Ce serait trop beau pour être vrai. Eux, je les aime beaucoup, ces ennemis, parce que je comprends pas comment ils existent en fait, en termes de design. Genre, c'était quoi le début? Parce que moi, ça me fait penser à Eddie Murphy dans un de ses films. Il joue un SDF dans un truc avec des roulettes comme ça. Mais là, ça a dégénéré quoi. Je me demande s'ils ont vraiment sorti cette image là en référence. Miyazaki, il est arrivé avec cette image d'Eddie Murphy dans La Réunion. À La Réunion d'ailleurs, pourquoi pas. Le vieux soi-disant mourant, grave. Ciao Pastoche, bonne nuit, ouais. Du coup, Arius, c'est DS1, Bloodborne, DS2, Demon's Souls, DS3, Sekiro. D'accord. T'as pas trop aimé DS3. Bloodborne, DS1, DS3, DS2, Demon's Souls. Ok. Vous aimez bien DS1 ? Oui, oui, alors bon, je vais penser à Eddie Murphy, voilà quoi, particulièrement dans ces situations-là. Je sais même plus si c'était lui d'ailleurs. J'étais tout petit quand j'avais vu ça, mais c'était un film comique, je crois. Presque sûr que c'était lui. J'adore cette cinématique, immonde. Pas tenter les Nioh, non. C'est vraiment la semaine plus From Software, quoi. Que la semaine Souls-like. Le bruit qu'il fait, ça ronronne quand même. On le prendrait bien en animal de compagnie, non, ce machin. J'avais oublié en fait qu'il fallait monter. J'étais naïf. Et moi là que je me fasse def, on va voir. C'est un peu RNG land ce boss quand même. Hein. Les 10. Qu'est-ce? Ah oui, je prends. Leur petite clochette pour l'appeler là comme une vache. Enfin bon, on n'appelle pas les vaches avec des clochettes, mais on appelle les vaches avec de la trappe. Elle vient de vibe. Adios. Le mec qui a fait ce doublage aussi là. Angoisse much. Quelqu'un qui demandait le granulé tout à l'heure, c'est toujours là. Il va peut-être voir là. Putain, mais j'arrive pas à le. Alors là, il y a la jauge. Le nombre de boss qui ont cette technique dans Bloodborne, c'est incroyable. Putain, je suis limite là, non, en termes de dégâts, parce qu'il a l'air de bien chill quand même. La boule. Quoi ça déjà? C'est juste ça? Ok. Angry Boy! Qu'est-ce qu'il fait le tas de mélasse là?
Ok, c'est bon. Ce jumpscare, j'avais oublié quoi. Putain, il a monté le son à 5000 la Miyazaki. Vas-y, mets-leur plus 500 dB dans les oreilles là. Mets du sang, rajoute du sang. Il y a encore des FPS là. Si, vas-y, il reste 15 FPS là, on peut descendre à 10. Je me souviens plus, je vais passer maintenant au rêve. Après, on part chez Mikolash. Ça va être drôle. En VF, ça va être incroyable. La musique est très sympa sur One Reborn, ouais. Sur Bloodborne, mais en général. On va faire un classement après des OST si vous voulez bien. Je vais rattraper déjà ce que vous avez dit, puis j'ai eu des classements. DS1, c'est un peu naze en vrai, mais c'est nostalgie, j'avoue, en vrai. Enfin, moi j'avais vraiment, c'est un de mes préférés. En termes de feeling, je pense, celui avec lequel j'ai le plus d'affect avec Bloodborne. Mais attends, je vais voir ce que je mets là. Mais après, en termes de gameplay, pour moi, c'est Bloodborne DS3. J'aime beaucoup. Après, le gameplay de Sekiro, je le trouve bien, c'est juste qu'il me parle moins. Il m'en faut 8, j'en ai 0. Ça annonce mal, mon pote, là. T'en penses quoi de ça? Mais du coup, Manu qui descend, DS3, Bloodborne, DS1, DS2, Demon, Sekiro. Sachant que j'en ai fini aucun. Bah, t'as le droit, hein. T'as bien le droit. On n'est pas tous go à se permettre de passer 4 heures sur un boss. Oui, bah voilà, faut juste pas avoir d'avenir, pas avoir d'études, rien quoi. Pas avoir de plan quoi dans sa vie. C'est simple, non? Vous êtes pas prêt à tout abandonner pour vos rêves. J'avais préféré Sekiro à DS1 à jouer et DS3. Ok, t'avais préféré Sekiro, d'accord. J'avais aussi préféré Nioh et Dark Souls, sans doute pour le côté, t'as des compétences, tu peux personnaliser upgrade qui me plaît toujours. Oui, toi t'es un farmer et tout, t'aimes bien améliorer tes persos et tout, c'est ça? Mycosme. Certains qui disent Cos et d'autres qui disent Cosme. J'aimerais bien qu'on règle le débat à force. Le jeu est quand même sorti en 2014-15. Et j'ai pas regardé, voilà, je vais regarder mon arme. Qu'est-ce qu'elle scale, qu'est-ce qu'elle fait. Pff, sinon je vais mettre de l'endurance. Hein. En force sinon. Après ça rajoute combien de vie là? Très bien. Ça rajoute bien non encore? Ou pas? De mal à savoir. Allez, ça fait pas de mal. Adieu. Je crois que ça fait augmenter les potioles. Les potioles, ouais. À partir de ce salaud de One Reborn, là. Je sais pas si à partir... Ah non, à partir de Rome, ça augmente. Horrible. J'ai préféré Sekiro aux DS juste pour nervosité du gameplay. C'est compréhensible en vrai. Puis t'as les déplacements qui sont beaucoup plus agréables et tout. C'est plus vertical, c'est sympa quoi. J'aime bien pouvoir changer mes compétences, me dire que l'évolution n'est pas que dans les stats et que je peux débloquer de nouvelles possibilités. Ouais, je comprends. L'univers japonisant. Oui, bah c'est ça, j'allais y venir aussi. Il y a des trucs d'univers aussi. C'est vrai que moi ça me parle moins l'univers de Sekiro. Alors que l'univers de Bloodborne, par exemple, c'est une grosse partie de pourquoi c'est... Il est incroyable, pour moi. Ceux qui disent Cosme, ils méritent pas vraiment d'avoir plus de deux yeux. Bah c'est un peu... Ouais, c'est vrai. Après, j'aimerais bien aussi défendre ceux qui disent Cosme, quoi. Parce que je veux dire, le monde, c'est pas juste une boîte dans laquelle tu peux ranger tes idées et te sentir à l'aise, quoi. Faut penser think out of the box, comme ils disent les anglophones. C'est pas des instruments, hein, c'est des gens qui parlent anglais. Salut Lolo Dadou! Salut, va. J'étais pas encore inscrit sur Twitch, maintenant c'est fait. Let's go! Et ben merci, ça fait plaisir. J'espère que tu vas me suivre encore longtemps. Tu vas me donner ta vie, ton énergie vitale encore plus longtemps. C'est quoi? Je suque votre vie. Ça va nous faire trop bizarre hein, demain. Vraiment, préparez-vous psychologiquement à passer sur Dark Souls 1. Enfin, c'est moi en fait qui dois me préparer psychologiquement. Déjà, je me suis pas préparé au drop de performance entre Sekiro et Bloodborne et ça m'a un peu surpris d'avoir la moitié moins de FPS. Donc il faut que je me prépare psychologiquement à avoir 3 fois moins de vitesse. C'est beau putain! Bien vieilli cette saloperie de jeu, hein. Salaud de jeu, va. Qui se prend. Il prend nos jobs.
Tuka Jerbs. J'ai besoin que tu meurs en fait globalement pour que je puisse vivre. Non, il y a le torchu derrière. Il est terrible. Oh, le torchu. Oh oui. In extremis. Incroyable. Dans l'extremis. Ça, ça vaut des thunes, ça. Non, mais franchement, il est tellement beau ce jeu en fait. C'est ça le truc aussi. Mais ça, vous en foutez, vous. J'ai vu, vous en foutez de toute façon. Je sais. Tout le monde le sait. J'ai envie qu'ils arrêtent de me planter les griffes. Il y a du morsiflax, je me souviens plus. Pas là en tout cas. Le morsiflax. Moi je cherche des morsiflax, s'il vous plaît. Beaucoup. Ah, il y en a un là. Oh putain de deuce. J'ai crevé là. Ah ouais. Bah je savais que si je me prenais pas le premier, je me prenais le deuxième quoi. Ou le troisième. Attention, il a des pierres, il est fou. Merci. C'est toujours satisfaisant, tu sais, quand tu as. Tu dis vas-y, là c'est ça, je m'en souviens, et que c'est vraiment ça, genre. Non ? Y'a que moi qui suis un malade mental comme ça ? Ma mémoire est tellement claquée que je suis content quand je me rappelle d'un truc. Quand chez moi, je me dis le sel il est là. Et je le trouve, il est vraiment là. Il est vraiment dans ce tiroir. La salade que j'ai achetée hier, elle est là. Oui. Bravo. Lui, je l'aurais bien fait pour rigoler, mais je me souviens qu'il fait des dégâts insane avec son romarin, là. Son assaisonnement. Salaud, va. Pop, pop, pop. C'est vraiment la musique pour eux, c'est... Pom, 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 pom. Je ne vois pas autre chose leur aller comme musique. Ça sert à rien ce coffre, j'en suis sûr et certain. C'est pour ça que je l'ouvre. Le pire, c'est qu'il risque de me coûter la vie quoi. Mais maintenant, je dois savoir. Épine dorsale jaune. Un truc de donjon de merde là. Si je puis me permettre d'être vulgaris. J'ai beaucoup de thunes là, en nécrosant frénétique. Frénétique d'ailleurs, hein, si je puis me permettre. On est déjà... Ah, on est déjà loin quand même là. Tout s'est accéléré très vite. Ah ouais. Boucher en dèche de viande quoi. Il saute sur tout ce qui passe. Et moi je me laisse faire. Hein. Ouh. Ah, et là, il va encore y avoir des morceaux de sang, donc c'est bon. Je pense qu'on va être bon. On va être bueno. Et ça, c'est horrible, c'est déchet, là, tiens. Ils méritent pas ça, les chiens. Mes pauvres chiens, là, ils méritent pas de vivre comme ça. Putain, mais je vais crever, en fait, à vouloir les sauver. Non, je peux pas les laisser comme ça, attends. On a eu nos différents par le passé, mais... Je peux pas les laisser devenir des expériences horribles. Re-Atom. Je lurkais de façon vulgaire, je suis maintenant à fond dans le gameplay. Let's go. Pour Mikolash, là. Tu as kiffé? On va se passionner à regarder. Je vais prendre ça, quand même, parce que je suis pas un sauvage. Mais c'est vrai que... Il y a du morsaf, là-bas. Il y a du morsiflax de... Ah, mais non, mais j'aurais dû prendre le morceau avant... Parce que je suis à combien? Je suis à 5, il m'en faut 8. Bon, d'accord. Not even close. Mais il y en a là, non? Là, il y a un loot. Il y a un loot, il y a un loot. Il y a un rocher, non? Oh là! Ouais, oh, c'est vision. Pas du tout des morceaux de sang. Hein. Cette idée des chimères chiens corbeaux dégueux. C'est très japonais ça. C'est la génétique là. Les jeux génétiques, les hybrides, les trucs comme ça. Beaucoup dans Resident Evil aussi, des immondices comme ça. C'est leur délire quoi.
1. Il m'en faut encore 2, je crois. Est-ce que t'avais tracé une Spada? Ouais. Dur d'être bébé. Bon, Mikolash, c'est un gros bâtard, il faut se le dire, donc il y a moyen qu'il me traumatise, là, qu'il soit relou. Je joue à Yakuza, je te laisse en fond, mon brave. Eh ben, allez. Ouais. Moi, je dis plutôt Cos, mais bon. As-tu entendu nos prières? Non. Nous n'abandonnerons pas le rêve. Slip 5. Personne ne peut nous attraper. Personne ne peut plus nous arrêter. J'arrive, Miko. Lèche-moi les boules. Oui. Ça, c'est de l'humour percutant. De PMU, encore une fois. Alors. En fait. Ah non, il aurait dû aller à gauche à ce petit FDP. Ah voilà. Comme ça, ma gueule. Très bien. GG. Bon, je vais pas prendre la... Attention, parce que ça one shot, hein, je pense. Remarque, j'ai mis beaucoup de vie, là. Je devrais les ignorer, mais bon. Salaud! Prends la vie en fait. Il prend que dalle de dégâts. Non mais là la deuxième phase elle va être dure hein. Les murs sont repeints de son sang. Il avait un peu soif là. Bah oui. Oh. Putain. J'ai cru qu'il avait trouvé le combo ultime quoi. Bah oui. C'est ma faute là. Mais gros, t'as trop de vie aussi, abuse là. Et 171 si je fais comme ça, si je fais ça. 150. Mais lol. Les dégâts en fait négatifs. Ah, il s'est relevé direct hein. Il passe en P2 là de toute façon. Voilà. Ok. C'est vrai qu'il y a un cheese pour lui. Même dans un rêve. N'allez pas si vite. Le cauchemar se tord. Je veux dire connaître l'alerte que j'ai sur mon stream. Bah voilà. Elle vient d'ici, le live action de mes alertes de stream. Merci. C'est tout ce que je voulais. Tout ce que j'ai toujours voulu. C'est quoi, il y a ça aussi. Even in a dream. Oui, le cri du loup. Bon, ils auraient pu me demander quand même avant de prendre mes alertes, mais let's go. Oh, les dégâts. Oumph, vraiment. Envie de faire oumph, là.
Voilà. On va essayer quand même de lui envoyer. C'est un peu lâche, mais bon. Il y a tellement de vie. Il est là ou pas? Ah non, il est pas encore là. The fuck, il est où? Pourquoi il est pas venu à ce narvalo? Je t'entends, hein. Ton cinéma là. Oh! Bouge! Ah non, c'est cette pièce là. Bon, alors là. On est sur 47 de dégâts quoi. Bon. Pas terrible, terrible. Toujours ça de prix ou pas? La team, c'est toujours ça de prix? Ouais, hein, je pense. Mais elle va être dure la phase, elle va être dure. Putain. Bon, mine de crayon, des petits riens et des petits riens. J'ai autre chose à te lancer dans ta petite tronche là? Non. Bon. Alors je sais qu'il y a une technique pour lui tomber dessus et après du coup tu le... Voilà, t'arrives en même temps que lui mais bon. Je l'ai bien fromagé. C'est ça. Oh oh, tu viens de te faire fromager mon pote. Pas si je tente le granulé sachant qu'il sera peut-être gâché quoi. J'ai plus de feu par contre et ça c'est préoccupant. J'aurais dû faire gaffe. J'aime bien comme il m'empêche d'être dans mes dans mes menus. J'en ai pas dû passer d'ailleurs. C'est un privilège de l'entendre parler comme ça. Le con là en même temps. Aïe aïe aïe. Ouais là. Quand tu fais ça, ça va. Moi, c'est quand tu fais l'autre truc que j'aime pas. Oula. J'aime bien quand tu essaies de se battre un peu. À la mano. Oulala, là là, j'ai bougé sur ma chaise, tu sais. IRL en mode non. J'esquive. Comme quand t'as 8 ans. Attention, sous-estimons pas la portée de ce truc. Plusieurs fois il m'a pranké dans ma carrière. On parle d'une carrière vraiment. Triste carrière, n'est-ce pas? Pour l'instant il me régale. Mais des fois il peut péter un câble et juste décider de le faire. Hein. Donc restons aux aguets. Parce que ça one shot cette merde. Ouh, j'ai voulu forcer là. Il est pas mort? Putain, mais j'étais en mode Sekiro là, tu sais, je voyais la barre presque finie et du coup je voulais forcer. Oh, c'est bien de la refaire try lui. J'oublierai tout. Ouais, c'est ça. Je sais, un petit oiseau, mais des fois tu sais, il fait un petit pas en arrière ou alors il te touche et du coup ça te fait reculer et il t'enchaîne avec le Call from Beyond du coup. Et c'est terrible. Donc là, ça va, il l'a pas fait. Mais c'est toujours une angoisse ce boss, je trouve. If Mikolaj crève, le pont se lève. Il faut se faire bolos par un nerd. Mais mec, il a une cage sur la tête. Mais ça va, le businessman a gagné encore une fois. Le businessman avec sa tenue de businessman, de gentleman. Et sa tête de travail. Voilà. 21h43. C'est fou, le temps passe beaucoup plus lentement quand tu n'échoues pas sur les boss. Genre contre Gascon, je sais pas, l'heure elle est passée si vite. C'est un gentilhomme d'affaires, c'est ça. J'aimerais bien pouvoir aller en réunion avec cette cage sur la tête.
devoir me baisser pour passer les portes. Ce visage affreux. Ok, alors on va peut-être mesurer nos propos, je sais pas. Il y a des gens derrière. J'en ai 10, je crois que c'est bon là, non? J'avais déjà amélioré en plus 1, ça devrait être bon. En plus 2 même, je crois. C'est sûr que comparé à Ishinashina sur Sekiro, ça passe vite. On est toujours obligé de me ramener à ça, à mes errances, mes errements. Oula, excuse-moi, j'aime pas les livres. Ta science là. Ta science. J'en ai ou pas là des nouveaux? Ah, attends, regarde, mon con. Hé! Hé! Mine de crayon? Attends! Eh bien, c'est là! Hé! Et le vieux? Il aime pas, c'est le vieux. C'est quand même 3000 balles, tiens. Très bien. Très bien. Ah, ouais. J'aurais pu mettre de l'endurance, remarque. Ce visage n'est pas dans mes critères de beauté. Il serait peut-être que tu les changes, douceur. Sucrerie, sucrète, sweetie. Tu vois un mec avec une cache sur la tête dans la rue, tu veux pas te friter avec lui? Bah ouais. Parce que déjà, je me dis qu'il est méga fort. Genre, il doit avoir les épaules de The Rock pour porter cette cage et rester droit. Parce que vraiment, dès que tu te penches, en fait, ça demande une force terrible dans la nuque. Pour pas juste tomber et puis pouvoir se relever la tête comme une espèce de tortue. J'ai amélioré mon arme, ouais. Du coup, elle est en plus 9, c'est ça? Et plus 10, bah, il faut aller chercher la chose, là. Mais j'ai la clé. Je vais quand même prendre ça pour le plaisir de goûter. La clé. La clef. Elle est... Ouais. TG, en fait. Elle est par là. Oui. Là je vais peut-être mourir comme ça. Hein. Enfin, réparatoire ajouter une mort, trop bien. Ça va. Enfin pour l'instant, mais après quand je vais traverser le pont, ça va être une autre affaire. Organe infecté. Voilà. J'ai envie d'appeler le pont de la mort en fait. Où on meurt globalement. Je sais que j'ai eu tranquillisant mais... Mais je l'équipe, c'est tout. Pas d'excuses. No excuses, man. C'est pas la mentalité américaine de faire des excuses. Ok les potes. Il y en a marre maintenant. Vos excuses. Vous n'avez pas honte d'ailleurs? Si vous voulez faire un truc, vous le faites. Ok? Moi hier je voulais battre le boss, j'avais pas, c'est sûr, moi je me suis pas dit tiens je vais faire 10 heures de Sekiro donc 4 heures sur un boss que je déteste, tu vois. Mais je l'ai fait en fait, je l'ai juste fait, tu vois ce que je veux dire. Et regarde ce que j'ai gagné à l'avoir fait, c'est bien non? Ça a changé ma vie. Ça c'est l'horreur par contre le machin. Est-ce que la science est allée trop loin? C'est dans Désenchanté qu'ils disent Stions tout le temps. J'aime beaucoup. Petit 3-6 pour imposer un petit peu le régime prioritaire. On aperce. Et ouais voilà. Très bien ça. Ah merde, c'est quand même monté, putain, saloperie de truc quoi. Pourtant j'étais bien, j'étais en croisière. Voilà, on va pouvoir passer notre arme en plus 10, Soon TM. Sagesse du grand. C'est vers le cerveau je crois. Hein. Je crois que c'était un passage. Lol. Hop là, je vous fouille de la gerbe un peu. On s'est sûr qu'on s'attendait pas à ça. Croumche sous les pieds là. Oui, je sais. Je voulais juste vérifier. C'est bon, stressez pas les potes. Des Winter Lanternes ont le pouvoir de calmer quiconque les observe quoi qu'il arrive. D'ailleurs ce nom est très curieux je trouve, les Winter Lanternes.
Alors c'est juste la poupée du hub en fait, avec une tête chelou. Assumée en fait. Ou crever comme on dit. Rocher de sang! De toute façon, j'ai juste rentré. Eh oui, Bolo, celui-là. Il n'y a rien que tu puisses y faire. Enfin bon, bref. Pas si drôle que ça au final. Je me casse. Comme un grand seigneur. Cadavre des messagers en guise de tête. Ouais, c'est un peu horrible. Genre vraiment, je sais pas, quand t'es de la famille de Miyazaki, tu dois le regarder bizarrement quand même des fois. Bon alors du coup il nous reste Mergo et après on peut finir hein, mais on peut aller au DLC aussi un peu, on a le temps ouais. On va avoir le time d'aller au DLC, à moins que Mergo elle soit pas très coopérative. Genre horrible. Je vois pas de raison mais bon. On la connaît celle-là hein. Des fois elle se vénère un peu quoi, bon. Et les joyaux je dois avoir trouvé mieux là. Ouais voilà. Ah non, pas pour mon truc en fait. XD. Bon allez pour mon gun qui fait pas de dégâts, je mets la meilleure gemme du jeu pour ça, presque. Il me semble qu'il y en a une dans le donjon qui est mieux. Comment il va le vieux? Je vais voir ça. Il va pas dégranuler maintenant? Bah non, excusez-moi. Papier de foudre, tiens, allez. Je sais pas si elle préfère la foudre ou le feu, Mergo. J'ai toutes les saveurs. Par contre, j'ai qu'une seule beast pellet. Horrible in the blind forest. Oui. Ça, c'est des bonnes blagos, ça. 1000 balles. Don't mind if I do. Je me garde le dernier au cas où. Au cas où j'arrive, j'ai plus de thunes. Non, en fait, ça me sert à rien de le garder. Mais c'est pas grave, je le garde quand même. Je suis un homme de parole. Allez, 12 d'endurance. Histoire de faire une roulade de plus, quoi. J'ai 12 000 balles qui traînent dans ma pocket. Je vais faire des emplettes. J'en ai combien de fioles de sang? J'en ai 7. Cette misère. C'est pas comme ça qu'on va faire Cos, hein. Ou Cosme, oui, comme disent certains, excusez-moi. Je suis incorrigible. Des anus de cochon et des cadavres de bébés sur des... C'est ça. Je regarde des anus de cochon et c'est pas mon taf. Je vois pas le souci. Ça peut être un plaisir aussi, hein. À me battre contre la drogue et lâcher des blagues, merci beaucoup. C'est vrai que t'es l'incorruptible un peu. L'intraitable. Et regardez ce ciel quand même, il est toujours beau. Hein. Toujours bien vieilli ce ciel os là. Ouais. Big Moon! Blue Moon! Na 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 na. La lune bleue! Complètement con cette chanson. Pas bleu la lune en fait. Hein. C'est blanc gros bolos. Bref. Je vais m'énerver si je continue à en parler. Tiens. En hommage à votre discussion de tout à l'heure. Merde! Mais ouais, mais j'ai vu que c'était jeudi en journée, donc je serai au taf. Et au taf, j'ai pas d'écouteurs en fait. C'est un peu l'angoisse. Mais oui, il faudrait que je me ramène des écouteurs au taf spécialement, mais bon, c'est pas le mood de l'entreprise quoi. Avoir le droit d'écouter ce qu'on veut. Pouvoir entendre Sandrine rire dans la salle de pause. C'est capital. Maudit. Hostie, caribou. On va continuer de chialer ou comment ça se passe là? Tu t'en sors bien pour cette fois? Salut la 4 as, désolé pour le caps, bah c'est pas grave mec, hein, c'est dans ton pseudo. C'est ton nom après tout, tu ne l'as pas choisi. Et je remonte. J'aimerais bien utiliser le granulé de sang de monstre contre elle.
Mais je trouve ça toujours risqué, tu sais, quand t'as pas joué depuis longtemps, j'en ai qu'un seul. J'ai peur juste qu'elle me fasse du mal en fait. Qu'elle me one shot, tu vois, sur une attaque. Bon, je me souviens plus trop dans les timings. 9000 balles comme ça, il y a un cochon qui est mort là. Oh, wow. Amygdala. Bah, je sais pas, en fait, j'aurais plus parti si je dois faire des boss en plus, peut-être plus les boss de DLC, non? C'est quel monstre sur ce jeu qui est le plus dur? Je pense que c'est soit Koss, soit Ludwig. Moi je trouve Koss pire à combattre. Allez, j'utilise même pas de granulé. Les dégâts négatifs par contre, c'est insultant quoi. On est où là sur Sekiro? Ah oui, c'est vrai. Mauvais mood. Elle a fini de chialer hein. Je sais que c'est pas elle qui chiale, mais bon. Vous m'avez compris quoi. Swing, 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 swing. Cauchemar en cuisine. C'est pas classe ça, ces petites esquives que je vous ai proposées. J'avais pas besoin de les faire, hein, globalement. Je me suis mis en danger gratos. C'est mon petit plaisir. Casse-toi, ouais. Je m'en fous, moi, de façon, tu sais. Ah, dommage. Mergo. Ah, vraiment joli ce gosse. Pretty, quoi. Pretty woman. Marche dans la rue. Marche en bas de la rue. Oh, il me sautait dessus là, genre. Encore, hein. Celle-là, je veux pas, juste. Mais arrête aussi. Tu sais, t'as d'autres attaques, hein, en fait, hein. Je tape du poing. I tap of the fist, hein. Ah voilà. Here we go. Genre mythomania. Parce que je suis différent avec ma tête, avec mon style vestimentaire. C'est ça qui les dérange. C'est que je mixe la tenue de parfait gentleman, de gentilhomme, et la tenue de fashion icon en fait. Bientôt je vais faire des chaussures. Ça va se finir ou non, ton ânerie là. Merci. Je vois bien que ça marchait pas quand même. Mais ouais, mais j'en ai ras le cul de cette attaque. Je savais comment l'esquiver en plus, mais là je me souviens pas. Peut-être à gauche plus qu'à droite. Ou alors un bon timing à droite, je sais pas. Ça va me revenir, hein, à force de claquer dessus. C'est tellement de bruit l'électricité en vrai comme buff. On s'entend plus parler quoi, Kang. J'aime bien, moi, c'est le nom de la zone aussi, le loft de Mergo, ça me fait rire comme nom. C'est un mood quoi. On les sent là, les 40 de Vita, ça fait plaisir quoi. On va pas se mentir, je peux prendre des coups maintenant. On est loin du début avec Gascoigne.
vraiment une pourriture, Axe. Hein. Tu sais que c'est la seule attaque qui touche et tu fais comme le vieux dans Sekiro, il avait une attaque qui me touchait tout le temps là. Où il faisait une petite esquive et après il attaque. C'était juste l'angoisse quoi. Ah bah bien, bien content là. Envie de courir mes grands morts. C'est pour être une émission de télé-réalité, je te jure. Le loft de Mergo. Pas très dangereuse la nourrice en fait hein. En même temps elle est loin dans le game et je suis vraiment pimpé là tu me diras. Mais ouais. Elle est plutôt chill quoi. Particulièrement rapide et tout par rapport à la tempête que c'est certains boss. Par contre la. La boulette de bête là, je sais pas comment elle s'appelle. Le granulé de sang de monstre, il aurait tellement bien marché sur elle. N'oblige pas aussi meuf, c'est pas grave. C'est bon, ça apaise le bébé de tuer sa nourrice. T'inquiète, je suis là, regarde. C'est moi. Chut. C'est fini les cauchemars, je suis là. Voilà, c'est bien. Mon visage rassurant. D'échapper de l'asile. Les avant-gardistes ont toujours été persécutés. Merci en fait. Juste merci. Cent mille balles quand même. Hein. Elle se mouchait pas avec le coude, la Mergo. La nourrice qui fouillait dans les tiroirs de la famille, quoi. Merci pour les géges. Je re plus tard, bisous. Je m'envole, bisous. A plus. Non, non, t'y es pas juste la tête. J'ai pris l'asile avec moi. J'aime bien avoir un petit bout d'asile partout où je vais. Un petit bout de chez moi. Je sais pas si je mets de l'endurance, parce que vraiment, j'aimerais bien faire plus de dégâts quand même. C'est bien comme je pose des questions, mais en même temps je sais déjà ce que je vais faire quoi. Donc bon. Des faux questionnements finalement. Peut-être ça suffira à faire un autre, je sais pas comment il faut, mais non, ça suffira pas, on est d'accord. Tu peux me le confirmer, la radine. Pas un truc gratuit, elle me donnerait énorme, bien sûr que non. Radine. Les dents qui rayent le parquet en plus. J'ai de l'eau tournée, t'inquiète pas qu'elle fait des combines. Pour me supprimer. Délai de 10. Bon alors du coup ouais. En soi je pourrais aller dans le DLCR là non. Bah là je pourrais finir le jeu en fait hein. Mais il est 22h. Bah pourquoi pas en même temps non. Je sais pas. Avoir cette satisfaction après German tu vois de finir le jeu vite en fait juste. Bon je sais plus qui c'est qu'il faut tuer pour débloquer les granulés de monstres. Et ça ce serait bien pour le DLC putain d'en avoir. Ce serait God tier. Je ne suis pas interné mais toujours à l'asile. J'ai mon bracelet électronique de l'asile. C'est une cage sur ma tête. Je sais pas, je me tâte à faire autre chose. Y'a quoi sinon comme les boss secondaires là. Du jeu de base je veux dire. La Bloodstarved Beast. La Bloodstarved Beast. Non, parce que la Bloodstarved Beast, c'est bien le truc que j'ai tué au début là. Le truc qui est dégueulasse. Avec la peau retournée. Golden Ring. Ouais, grave, mec. Je pourrais faire un petit peu Daylight 2 en vrai, sinon. Histoire d'y toucher un peu, quoi. Finir dans un bon mood.
Bon après il reste German. Est-ce que je le fais ou est-ce que j'ai la flemme en fait? Clairement je suis pas obligé. J'étais pas là au début. Ah si ouais bah je l'ai fait. On va pas se mentir, il est pas obligé ce garçon. Mais je regarde un peu les zones parce qu'il y a du boss secondaire non, dans des endroits. Je sais pourquoi je me rappelle plus alors que je connais par cœur ce jeu de merde là. Bah il y a Amygdala oui effectivement mais elle est chiante à aller chercher. Enfin il ou elle je sais pas, l'entité est chiante quoi. Ibrietas horrible, c'est Cyril Missari horrible. Je suis un peu catégorique comme mec. Y'a pas des trucs à faire mais à chaque fois qu'on me propose un truc, non c'est horrible. Non mais si ça se trouve German en vrai il va me def un peu. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Je sais pas. Je sais pas si je le fais d'ailleurs, j'ai un peu la flemme de le faire en vrai. J'ai pas envie que ça dure 100 ans quoi. J'aimerais bien aller voir Ludwig en vrai. Juste pour le voir. Pour le DLC. Il suffit d'aller il suffit de se tenir à l'endroit où l'autre il capture là le mob. Je crois non. On va essayer d'aller voir. Juste, en fait j'ai envie de voir le DLC parce que c'est trop beau cette zone. La zone de Ludwig elle est trop belle. Genre j'ai envie de me balader dedans, de pas faire Laurence parce que je le déteste et il est horrible, de d'aller voir Ludwig. Dis-le si tu veux simplement arrêter le stream et puis nous voir. Écoute, j'ai déjà streamé, on a fini à quoi, 3h du mat? J'ai déjà streamé 3h aujourd'hui, donc là ça fait déjà 6h de stream aujourd'hui. Logarius, ça va prendre 50 ans pour y aller. Et Dieu sait que j'adore sa zone. Il y a tellement de zones, des classiques. Des certifiés Oud classiques dans ce jeu-là. Incroyable. Genre le nombre de zones qui sont trop bien, en fait, juste, c'est fou. Je trouve. Salut mon pote. Regarde avec sa main baladeuse, lui. Comment il chope, là. Regarde-le. Oh, le con. Bien dégueulasse. Ça vaudrait rien chez moi quand même. Genre sur mon mur là comme ça il est accroché pareil. Mais en version plus petite hein. Dans ma rue sinon. Maudite soit leur descendance pour l'éternité. Éternité. Bah en fait c'est limite trop court pour un stream, ça qui me fait de la peine. On l'a tellement fumé le jeu. Genre si j'avais, si j'étais pas, si je m'étais pas bloqué sur sur le tout premier boss là, ça aurait été trop rapide en fait. On a combien de temps d'ailleurs? In game time. Merde, c'est marqué que dans le menu. Je vais voir par curiosité. C'est assez vite ouais. Dark Souls ça va être rapide aussi je pense. Jolie voix pour un truc aussi dégueu. Non mais c'est la voix de... Je sais pas si c'est Lady Maria qui fait cette voix ou quelqu'un d'autre. Le menu par contre il me fume. C'est juste une image, même pas en ultra HD tu sais. Tu vois le grain, elle est en 4 tiers, elle remplit même pas l'écran. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de marge sur le texte. Enfin bref. Attends pourquoi il y aurait la meuf d'Homère. 2h07 hein. Cette gueule. Je suis enfermé pour des bonnes raisons. Tout paraît plus court après 10 heures. C'est un peu ça, ouais. Le syndrome. Tu peux tenter une autre fin de Sekiro, j'avoue. Et ça me fait de la peine aussi de quitter ce jeu-là, putain. J'y suis bien, quoi. J'y suis cosy. Basta cosy. Du coup, là, je suis... Ouais, c'est bon. Je suis dans la bonne zone, parce que bon. Tu commences Dark Souls. Ouais, non, mais après, on aura rien à faire demain. Enfin, on aura rien à faire. Je pense qu'il va remplir demain, tu vois, mais c'est tout, Dark Souls 1. C'est le 2 par contre. Dark Souls 2, ça vaudra peut-être le coup de le commencer un peu à l'avance. Ouais. C'est un peu violent dans le DLC. Bon, salaud. Don't. C'est une arme ça, non? Non. Elles sont trop sympas les armes du DLC aussi, je trouve. Elles sont pas forcément. En fait, le problème c'est que l'arme de base, le couperet, c'est la meilleure arme du jeu. Ça, c'est un vrai problème dans le jeu, je trouve. Du coup, toutes les autres armes, tu vois, sont cool. Mais vu qu'elles sont moins fortes, bah. Tu sais, quand tu galères sur un boss, tu retournes toujours à l'arme de base, quoi. Parce que juste, elle est meilleure. La balle! Attention à la balle, les gars! La balle, les gars! Ouais, ouais. Ouais, ouais, les gars. Une balle, moi je vous le dis, mais bon. Bon là je cours mes grands morts pour aller voir Ludwig un peu, pour aller voir comme il me massacre.
Ceci, il y a un endroit, je crois, où il y a des granulés, non, dans cette zone. Attention. On y boufferait hein, devant cette vue. On y prendrait un café à 8€, franchement. S'il y avait un bar là, avec une terrasse, moi je paye. Hein. Ça préfigure l'enfer sur la Souls 3 où il y a les archers qui te défoncent. Peloton d'exécution là. Flotter l'exécution. Oh, il est tombé dans son propre piège. Hernando. Ça c'est des molotov qu'on jette en arrière. Pas du tout. Ok. Oh les boys. La troupe. La mauvaise troupe. T'as les mecs stylés puis t'as eux quoi. Ah c'est là. Pas très loin, hein. J'avais la zone à peu près dans ma tête. Et ça c'est l'armure là, non? Enfin l'armure. Haute forme de gentleman. Le problème c'est qu'il cache mon visage, je suis là aussi. Nécro sang frénétique. Ah oui, il y a ces machins là. Ah, je me sens offensé quand je les vois à chaque fois. Bah c'est pas la meilleure arme du jeu en vrai. Moi je trouve qu'avec les... les dégâts de monstres qu'elle a en plus là, enfin spéciaux et tout, elle est brutale quoi. Après t'as une espèce d'arme aussi qui ressemble à du DLC, comment elle s'appelle? J'avais pas allumé cette lampe? Ok. Bah c'est l'occasion. C'est quoi l'histoire de cette ville? Bah là en fait on est dans le cauchemar des chasseurs où ils vont, ceux qui ont dégénéré. Sont assoiffés de sang. Sinon après la ville de Yharnam, l'histoire elle est stylée mais elle est un peu complexe quoi. Juste les gants. Autre forme du temps jadis. Ouais mais non mais c'est gentil hein, c'est joli. Moi ce que je veux c'est voir ma tête en fait. Ah oui c'est meilleur tiens. À travers les rambardes en pixel art. Mon bon Ludwig, lettre ouverte à Ludwig. Maladé. Il est fou. Arrêtez-le, il va me terroriser. Non. Ah le bâtard. Je suis bloqué vraiment. Mais ouais, non, mais j'ai pas compris. Genre, j'avais mon cul vissé au sol. J'avais beau spammer les roulades pour me relever, il voulait pas quoi. De faire fouetter, mais pas de façon plaisante. Ouais, bah c'est bien résumé, Réus. Hein. Ils ont trouvé une médecine à base de sang ancien, mais vu que ça transforme aussi les gens en bêtes, ça tourne mal. Exactement. Gone too far. Qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Il parlait en anglais, je crois, non? Et pas en français, là. Peut-être que le DLC, il est pas traduit. On va voir sur le guide. Normalement là ça passe mais bon, j'avais plus d'endurance. Voilà. On force le truc. Bon j'ai laissé mes âmes au plus braves. Au plus méritant. Là il y a une arme, la flemme, comme on dit. On pourra pas la level up de toute façon. Notre-Dame. Comment elle va elle? Elle a bien récup hein. Bon, de toute façon, c'est clairement pas la dernière fois que je joue à Bloodborne, je pense, sur cette chaîne. Parce que j'y rejouerai dès que possible. Mais il me faudrait genre... Parce que sur PS5, ouais, il est même pas en 60 FPS, non? Ou il est en 60 FPS, je sais plus, mais pas en 4K, y a pas un délire comme ça.
J'aimerais bien le refaire en fluide ce jeu en fait. Dans les meilleures conditions. Il y a des mods aussi, j'aimerais bien aussi pouvoir le modder. Mais je sais pas si on peut le modder sur PS5 ou que sur PS4 Pro. Je me suis fait injecter du sang qui pue, explication gun bestial. C'est ça. Allez bête. Ah peut-être que toi tu laisses des granulés, non je sais plus ce que tu laisses toi. Très bon, on va voir. Ah non, elle m'a... Quelle mort horrible en vrai. Elle a un peu la même tête que moi. Ah non, elle lèche du galet. Je sais pas qui c'est ce du galet, mais... Alors Ludwig, comment il va depuis le BL4? Couvrez-vous les yeux si vous avez moins de 18 ans. S'il vous plaît. Ah si, c'est en français. Un monstre terrible. Attention, calme-toi. Pas obligé de hurler. Une grande menace. Putain, ça va mieux, mais... What? C'est pas de mon côté, hein, c'est juste là, il a fait l'inverse de l'ASMR. ASMR, oui, ça dépend. Moi, j'ai besoin d'aller chez audioprothésiste, là. Ah oh, bah, c'est Ludwig, quoi, bon. C'est un bon chum en vrai. On a passé du bon temps ensemble, non? On a été formidable. On était beau. Bien sûr, menteur. Menteur, mais voleur en plus de ça. Tu sais que tu voles, hein? Je t'ai vu. Arrête. Ah oui, la terrible attaque. Enfin, une de ces terribles attaques. Ah oui, la charge. Putain, mais tout me revient au fur et à mesure, c'est incroyable. Tant de bons souvenirs de ce BL4 là. Que des attaques qui m'ont traumatisé en fait. Qui m'ont one shot, qui m'ont fait souffrir hein. Les gars sont réels un peu la Ludwig. Tu peux me permettre. Putain, je vois rien. Ouais, celle-là elle était hardcore esquivée. Je crois qu'il y avait une technique que j'avais trouvée au bout de genre 18 000 morts sur lui. Ah, deuxième phase. Ok, allez, let's go. Ça va être compliqué, mais allez. Je l'aime ce boss, je l'aime d'amour. Et lui par exemple, avec notre arme, elle a des bonus de ouf contre lui. J'adore sa voix en français. Tu étais à mes côtés. Est-ce qu'il fait par rapport à la musique? Attention à la musique là, préparez-vous. Un moment de cinéma.
C'est pas des fioles ça genre? Ça pourrait être pas mal. Mon salaud. Ah ouais. La viscérale que j'ai tant désiré dans mon BL4 quoi, je l'ai eu gratos direct là. Un pur kiff en fait. Un pur kiff ce boss. Je l'aime. Dieu sait qu'il m'a fait du mal. Oh le bâtard. Ah bah adieu. Ah j'ai pas réussi à avoir la viscérale, dommage. Ah c'est une piste. Ouais. Oh il faut ah. Bah ça dégage. Je crois que je le connais trop hein, c'est grave. Genre c'était... C'était même pas de l'analyse, c'était instinctif, c'est des... Toutes ces attaques je sais pas, j'arrivais à les esquiver. Juste... Je pense que j'ai trop souffert sur lui en fait juste. Pour ne pas le ruiner juste. Merci pour les jets, je fais plaisir. C'est tellement satisfaisant ce combat. Avec la musique, il y a tout qui est bien en fait. À part les performances, c'est pour ça que j'aimerais bien le faire en 60 FPS. Je suis chaud pour envahir l'Ukraine. C'est vrai que t'as continué à suivre le lore. Brave chasseur. J'ai regardé un peu aujourd'hui, mais c'est statu quo là, non, en Ukraine, j'espère. Rien qu'un filet aussi faible. Mais on dirait que tu me parles des oranges et jus. Enlisé que j'étais dans les remugles du sang et des monstres. Je ne voulais pas vraiment savoir de quoi il s'agissait. Oh non, pas du tout. Ça doit être dur quand même, quand ils te demandent de faire ça quand t'es doubleur. Alors là, dialogue ok, et d'un coup faut que tu hurles tes morts, mais de manière très chelou. On sera là, on va regarder d'ailleurs. Je serai là avec Jean-Luc dans le studio, on va mixer tes cris. Allez, vas-y. Ouais, il a viré un peu cheval, ouais. Il en a perdu la tête, c'est très propre, tiens. Allez. D'ailleurs. Ça dégage, ça. L'épée sacrée du clair de lune. La fameuse. Elle sera dans Elden Ring, hein, j'imagine. Oh, je peux même pas l'équiper, si. Non, je peux pas l'équiper carrément. Je ne peux pas la porter. On se demande comment je l'ai mis dans mon inventaire. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir Lady Maria tant qu'on y est. Enfin, il y en a qu'une seule hein, de Maria. Il y en a pas 10. Vous vous rendez compte? L'esprit acéré, fier chasseur de l'église. Les monstres sont une malédiction qui nous emprisonne. Vous êtes les seuls véritables âmes de l'église. Ça m'aurait fait bizarre de faire un jeu vidéo traduit en français sans qu'il y ait ce mec là dans le doublage. Il est partout quoi. Multimilliardaire par son doublage. Il a la main mise sur les vieux dans les jeux. Dans les vieux et les érudits, les trucs comme ça, il joue toujours le doublage des gens un peu sages dans les RPG, non? S'il n'y a pas de patchesse, non mais attends. S'il n'y a pas de pont, s'il n'y a pas de dragon, s'il n'y a pas patchesse, s'il n'y a pas la moonlight, s'il y a plein de choses en fait qui sont nécessaires pour que j'apprécie le jeu. Je me souviens plus où on le trouve, ce trou dans le crâne là. Ce truc à mettre. Ah oui, chez Laurent, c'est vrai. Putain, j'aurais dû y aller tout à l'heure, mais je pensais pas que j'allais aller aussi loin. C'est-à-dire, je partais pas du principe qu'on allait ruiner Ludwig, quoi. La flemme de faire 3 mètres, oui. Ils vont m'attaquer dans le dos. C'est ça leur délire, eux, de toute façon. Si tu me tues, pareil. Oh, le bolos. Il s'est trompé de touche. Pas de patches, pas de Moonlight Sword dans Sekiro. Ouais, non, mais... Ok, d'accord.
J'annule tout ce que j'ai dit sur Sekiro, j'ai détesté en fait, je hais Sekiro. J'espère qu'il n'y a aucun développeur de la team qui a travaillé sur Sekiro qui travaille sur Elden Ring, putain. Rendez-moi mon vieil anneau. Ici c'est mon territoire. Mes ponts, mes dragons, mes gros chapeaux Logan, mes Moonlight Greatsword, touche-y pas. Si t'es pas content, tu te casses. Ma difficulté. J'avais trop aimé ton même un petit oiseau sur la difficulté là. Ça l'air sous, c'est très drôle. Bon bah je sais plus quoi faire de mes thunes et de mes trucs. Je suis tellement blindé d'oseille en fait, que veux-tu que je dise? Ah, c'est peut-être Ludwig qui donne les... Vu que c'est une bête de ses morts. Non mais on m'a dit tout à l'heure de toute façon. C'est pas ça. Prends le feu quand même. Prends l'éclair aussi. Je sais pas ce qu'elle en pense, Lady Maria. Elle va être chiante elle peut-être, non? On va voir. Je me suis repu de balles, j'aurais mieux fait de prendre la vie mais... Tu peux pas me dire quoi de faire, tu comprends ça? Non. Non mais ça va. J'ai essayé, en vrai. J'ai essayé d'être tolérant, mais à un moment ça va quoi. Elle est là. Et... Voilà, c'est tout. C'est sa seule faute, j'avoue, mais elle est là quoi. Église du cauchemar, du coup, faut que je cours mes morts là. Oui, tombe même sur la difficulté là. T'avais mis Hansin et Smo avec des phrases choc sur la difficulté. Mais c'était il y a longtemps déjà. Bah gros, je sais pas comment tu l'avais appelé ton mème. Je t'avoue. Putain, mais je suis au mauvais truc là. Oh. C'est vrai qu'il y a le pizza, il y a la planche à pizza là. L'arme pizza. Des pizzas Yolo. Sekiro a les coqs et ça c'est très bien. Et les singes snipers. Non mais eux on les déteste. Mais les coqs, très bien. Je regarde combien j'ai de... Ouais, il me manque beaucoup de fragments, beaucoup de trucs. Sinon j'aurais pris le découpe pizza et on aurait pu s'en servir un peu pour rigoler. Mais... C'est ça, un petit assaut. Patriote en colère. On va tout casser. Bravo, vous avez fait pleurer Astérix et Obélix. En marchant sur tout ce qu'ils aiment. Bon, en vrai, faut que je m'arrête à 23h quand même. Ce serait bien. Donc, on va aller. Mais Lady Maria, elle est loin en vrai. On va speedrunner. Autant vous dire qu'on va pas aller dans le puits pour chercher son épée. C'est juste l'endroit le plus dur du jeu, si on est honnête, avec nous-mêmes. Je pense que personne n'osera contester ça. Pour ceux qui l'ont vécu, quoi. En gros, c'est un puits où tu descends et je sais pas si vous avez vu la vidéo que Nian m'avait envoyée sur comment ils font les mochi, les mochi. Enfin, ils tapent dessus avec des maillets là. Et ils mettent des droites dans la pâte. Bah, c'est un peu ça l'expérience quand t'es dans ce puits. Quand tu te fais battre, quoi. En chaîne, en rythme, en cadence. Du coup, le live demain, j'avais dit c'était 18h, je crois. Regarde-le là. Comme il est beau. Il est beau ce boss, hein, mais je l'aime pas du tout. Mais il est beau. Par contre, sa musique. Juste la meilleure musique du jeu en fait, hein. Globalement. Envie de mettre une compile Deezer de sa musique. Musique de Laurence, Deezer édition. Et non pas Spotify édition. Allez, à la prochaine. Commence à être fatigué là, ça se ressent. Ce serait bien qu'il y ait un planning. Grave, je te jure. Si pour une fois j'avais fait un planning, j'avais fait l'effort et tout, t'imagines? Avec chaque jour ce qu'on fait, à quelle heure? Un petit Théo pour vous deux. Envie de time out. Ça fait 100 fois que je passe là, j'aurais pu vraiment passer une fois. Mais bon,
C'est aussi ça, rajouter de la durée de vie à un jeu qui finalement est facile et rapide à faire, donc tu vois ce que je veux dire? Moi je roule dessus, donc je me permets un petit peu de faire des... voilà. Des runs différents, quoi, ouais. Ah mais non, Lady Maria, elle est pas loin. C'est Koss qui est loin. Mais Koss, de toute façon, j'arriverai pas à le tuer, je pense. J'aurais pas le time. Et German, on va pas le faire, hein, fuck it. On s'en fout de German. Il a une jolie musique quand même, hein, German. Mais bon. Enveloppé de brume. Maman, ça me rappelle l'étude sur les EHPAD là. Bah voilà, il devait être traité comme ça dans les EHPAD Orpea. C'est ce niveau d'entretien quoi. Cinématique pas du tout perturbante numéro 18. Tu fais time out chez Pastis ? Par Liv ? Je mets du mauvais côté de Liv. Je sais pas si vous avez vu, Gérard Depardieu, il est sur Instagram maintenant. Il a fait quelques posts. Out of nowhere. Il a mis une photo avec, de lui avec Poutine. Genre, il embrasse Poutine. GG la tornade. Quand même des casseroles au cul, GG, donc bon, je comprends pas que te... chill comme ça quoi. Ah oui, il y a les gens qui aiment bien les gougouttes dans la boubouche. Je me souviens plus là. Non, c'était peut-être par là. Calmez-vous les fous. Vous me faites trop mal, de Narvalo. Oh les coups de boule. À gauche, coups de boule, à droite. Ok. Ça va les potes, y'a du tranquillisant là si vous voulez. Putain. Je me sens... C'est vraiment la Japan Expo Experience. Eh les mecs, vous êtes juste super vénère en fait, je sais pas. Je vais pas par là du coup hein. Oui, PO, on parlait pas de toi, c'est bon, le mec. C'est lui, quoi. Ah oui, j'ai oublié ça. Le petit piège. Piège à Kong, comme on dit. Deux fois, hein. On pourrait croire que je m'en rappellerai, mais non, en vrai, je m'en rappelle pas, parce que cette zone, ça fait si longtemps que je l'ai plus faite. Mais ça me fait plaisir, tu vois, de mourir par des étagères. Je suis plus mort par des étagères que par Ludwig. Laissez ça rentrer dans votre crâne. Let that sink in. Laissez ça couler à l'intérieur. En anglais. Non, je parlais pas de toi, UPO. T'es ma habitude qui m'appelle GG. J'oserais pas, mec, c'est bon. Moi, c'est juste pour la blague, hein. Je vais pas te tourmenter non plus. Je ne suis point un monstre. Allez fou. Loco. Loco. Je passe là s'ils sont là, je pense pas. Mais vous êtes vraiment des chiens de la casse. Hein. Genre c'est drôle mais ça devient pesant quoi les cris. À force. Ça y est monté à l'échelle ? Je me souviens plus de ça. Non, quand même pas. Ils ont perdu cet usage-là. Ah oui, toi t'existes. C'est vrai. Remets-toi en face. Le mob qui hurle sus. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Sus. Pas un truc piégé là. Non, c'est bon. Ah oui. The crazy motherfucker. Ciao, Bella. Là, il y a du raccourci par là-bas, n'est-ce pas? Attends.
We did not raise the cochon together. Tennis de table. Ping pong en fait mec, hein. Vis avec ton époque. Read the room. Lis la pièce. Je sais pas ce que vous avez fait pour mériter mon courroux. Il y en a bien qui doivent payer pour ce que j'ai subi plus haut là, c'est pour me déstresser. Ah oui, bon move d'avoir looté ça. Très bon move. Le joueur français. En fait, tu vois, je me dis ouais, je me rappelle pas et tout, mais attends. Genre je fais ça au pif et tout, mais en vrai. Il y avait un loot que je désirais ardemment quand même. Donc on peut pas dire, tu vois, que... Enfin, je suis un génie quoi, c'est tout ce que je veux dire. J'ai deux cerveaux en fait, il y a deux loups en moi. Le bruit de la Gatling, il est incroyable. Ça me fait presque de la peine de pas avoir pris le temps de le faire en slow run, tu sais, où vraiment t'avances en tuant les ennemis et machin. Genre là, je cours. Bon, ça, je trouve ça kiffant aussi parce que c'est vrai que l'attrait, c'est aussi les boss. Mais je sais pas, il y a tellement des belles zones, des beaux moments qui se sont joués dans ces lieux. Quand la voix du vieux, ça non? Chier, je veux pleurer. Ah, j'ai pas looté ça là-bas, je sais pas ce que c'est. Ah! Ouais, ça remonte de toute façon. Chef! Un peu où là? Chef! Ah, j'arrive au niveau des clochers, des cloches. Das Auto, comme on dit en Allemagne. Ah oui, tiens, je vais aller voir la VF de ça là-bas. Cette chose, cet être vivant. Splish splash, splish splash. Avez-vous déjà entendu l'étrange bouillonnement de la mer? C'est comme une tempête, mais en plus doux, comme de l'eau qui ruisselle. J'entends ces hurlements. La voilà, elle monte dans mon corps, tout doucement, comme de petites gouttes. Ça va? Vous vous rappellerez de ce dialogue avant de dormir? Pour bien dormir. Avez-vous déjà en... Et franchement, le doublage, il est quali, je trouve. Hein. C'est devenu une crêpe. Moi, je trouve le doublage très quali. En FR, je veux dire. Même si vous vous détestez de toute façon, vous n'avez jamais aimé les jeux vidéo de toute façon. Dites-le tout de suite en fait. Avouez-le. Est-ce que je suis un malade, un crazy motherfucker? Un peu trop crazy. Oh, j'ai presque eu le temps. Les coups escatine pas, tchè. Oui, c'est un patient en train de se faire soigner. Clairement, il a besoin d'aide celui-là. Presque en effet. Il fut un temps, je maîtrisais ça et save and quit. Mais en même temps, c'est un peu pernicieux ces trucs parce que c'est un peu un god mode. Genre, tu peux save and quit dans toutes les situations dangereuses. Mais ça fait de toi moins que rien. Un zéro. Ah oui, elle veut du liquide, j'en ai un pour toi, tiens. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Il me faut du liquide, c'est pas lourd à chidir. Bien, risqueux et trouble. Oh, merci. Le bruit du verre de McDo. Oh, comme c'est bon. Oh oui, je l'entends. Le ruissellement. Et vous, l'entendez-vous? Oh oui. Oh oui, tellement pas de... Vous mon sang en guise de remerciement?
Apprenez que j'étais jadis une sainte sanguine. Voilà qui me réjouit. Je ne peux bouger. Mais voyez, sur mon bras droit, je suis navrée de vous importuner ainsi. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, ça va, ouais. Je prends ton petit sang à la place, ça va. T'es devenu une crêpe toi aussi, c'est vrai. Elle est drôle cette quête du liquide céphalo. En gros, il faut tuer tous ceux qui sont devenus des espèces de blobs là. Et les nourrir à elle. Pour qu'elle devienne un blob à son tour. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas réservé qu'à une élite. Oh, il y a ce boss de merde avant Lady Maria Azo. Lui, c'est jamais un. Je vous en prie, Lady Maria. Je vous en prie. Ah, elle en donne pas, elle. Bon, bah, t'es morte pour rien. Sorry, not sorry. Il nous blâme notre travail. 2 secondes, les potes. Je sais pas si c'est très utile sur ce boss là, mais. Les dégâts sont réels. Les longues mains, le bruit qu'ils font. Saloperie. De toute façon, c'est crevé à force, genre. Malade en fait. Putain, j'arrive pas à avoir les backstabs, c'est terrible. Allez, je peux l'avoir. Oui, c'est bien ça, c'est un bon timing ça. Non, mais il y a les casters et puis il y a les foufleurs qui me courent après quoi. Oh là là! Arrêtez de taper de la tête! Ah, dead! Dead boy! Combien t'en face? Il me saoule lui. Tout à l'heure, il me suit comme un maniaque là. Laisse-moi vivre en fait, gros. Je sais pas alors. J'ai le droit au bonheur moi aussi. Super caster lol. Ah voilà, ça commence là, la connerie. J'ai fucked up. Dead. Je me souviens plus ce qu'il faut faire pour les empêcher de faire ça. Je crois qu'il faut. Je sais pas. C'est fort aussi, non? Le son. Bon, je vais le réessayer quand même. S'ils sont pas très durs, c'est juste qu'ils font très mal. Et il y a cette attaque là. Je me souvenais qu'elle sortait un moment, je me souvenais plus pourquoi et quand. Ouais, l'effet d'espace, il est ouf. Oui, on va jouer Elden Ring vendredi, Alex. Quand il sort. C'est qu'ils sont loin, c'est con en plus. Ah! Oh, je l'ai pas renvoyé. Ah, ça vient toujours du même côté. Ok, d'accord. C'est donc ça, la technique. J'avoue que j'ai peu de souvenirs d'eux.
Enfin, j'ai des souvenirs qui m'est... sont un peu chiants parce qu'ils existent, quoi. Alors qu'ils pourraient ne pas exister, tout simplement. Vraiment, la condescendance est incroyable dans ce personnage. Je trouve, hein. On dirait Alex et nous, on pose une question, on se fait bully. Qu'est-ce que t'as demandé comme quadrille? Te connaissant. Lui, il fait chier à exister, naturellement. C'est ça que j'aime pas à propos de lui. Il y a de fou furieux derrière là. La balle! Il fait une balle! Oh le bâtard! Ah, j'ai plus de fioles, tiens. En stock. Pas ouf ça. What the fuck? Malade lui. C'est vrai que là j'ai genre aucune rune. Améliore mes stats ou quoi, n'importe quoi. Comment je joue là? J'ai pas de rune quoi, n'importe quoi. Je me rappelle plus où il est le truc, il est avant Rome, non? L'outil pour se mettre des runes. J'allais le chercher, non? Enfin, j'ai pas le temps, remarque, on a bientôt fini le stream, mais. Ça aurait rendu certains combats plus faciles quoi. Mais bon, on n'a pas besoin, comme démontré. On a fait Ludwig 100. On n'est pas des bébés Kadom en fait. I see you, you crazy son of a bitch. Mais laisse-moi tranquille, toi, tu viens tout gâcher toujours. C'est ta vibe, quoi. Gâcher tout. C'est pour ça que t'as pas de potes, en fait. Que tout le monde te hait, globalement. Il continue, en plus. Insup les dégâts que vous faites, en fait. Vous êtes globalement des merdes, hein, quand même. Je tenais à vous le dire, hein, vous êtes globalement des trucs sans skin, quoi. J'ai réussi à le prendre quoi. Et l'angoisse. Ça va en vrai. J'ai eu pire angoisse dans ma vie, on va pas se mentir. Leur bruit par contre il me fume hein, globalement. Vous êtes des fumeurs les potes. L'arbre à ses limites quoi. J'étais pas bien derrière, je crois. Il y en a une qui a sneak entre les branches pour venir me pécho. J'aime bien quand tu tapes leur petite main, ils la relèvent en mode eh oh. Bah c'est bon gros, j'essaie d'expliquer un truc là. Oh genre. Ils ont tellement de vie, putain, je suis en train de voir là. Terrible. Épargnez-moi vos 6 magrets en fait. Ah, nice.
Lui, il s'est tapé un sprint pour repartir en arrière juste après. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es un malade, toi, en fait. C'est une danse, quoi. Ils m'ont voulu. Oh, ils font le tour de la map! Oh! Mec, il vient de net, qui donne des coups à droite à gauche. Je le reconnais bien là, mon gamin, ça. Ça sert pas à grand chose, mais let's go. Ah merde, ça le. Mais je pensais pas que ça allait le. Oh là là. Oh non, c'est bon, je le refais pas, hein. Fuck it. Dans le cul en fait. Ça me fait chier, j'aurais bien vu Lady Maria quand même. J'aurais quand même bien aimé voir Lady Maria. Bon, tant pis. Faut se faire une raison. 22h50. Ils prennent 30 minutes à battre. L'éduquer, gamin. Qu'est-ce que, de quoi vous parlez? Il y a eu un débat dans le chat. Ça parle d'éducation, du coup. Outil pour se mettre des runes. Ah oui, c'est au sortir. Ouais, c'est putain de loin, je comprends pourquoi je l'ai pas fait. Non, mais je suis content, on a quand même bien roulé sur le jeu. C'était cool, en vrai. Le Ludwig en first try, là, c'était sympa. Ça m'a fait plaisir, tu sais quoi? Ça m'a saucé un peu. Je vais bien dormir ce soir. On parle punition. Let's go. On parle pampan cucu. Globalement. Bon, j'ai qu'un seul cordon ombilical, mon pote. Eh ben, German, j'arrive. Je te permets de me buter, tu sais quoi. Bon, contrat rempli pour Bloodborne. Dark Souls 1 après demain. Dark Souls 1, j'ai envie de le jouer avec la Zweihänder, qui est l'énorme épée qui aplatit les gens quand tu leur tapes dessus. C'est très drôle. Et c'est une de mes armes préférées. C'est juste un espadon qui est stupide tellement il est grand. Qui est extrêmement lourd. Donc on sera pas très rapide, ce sera peut-être chiant, on verra. Mais ça tape très fort. À présent, vous allez mourir. Vous allez mourir. Ce rêve et vous éveiller au petit matin. Ça c'est vraiment moi hier sur Sekiro, quoi. Délivré de ce terrible rêve de chasseur. Délivré de terrible combat de boss. Lui confier votre vie. Adieu. Ardent chasseur. Et je me barre là. Ah ouais, je peux annuler ma décision, genre. Si je stresse. Brave chasseur, à présent, vous allez mourir. Vous serez délivré. Adieu. Redoutez le sang. T'inquiète, mon pote. Ça, c'est pas une scène d'animé, je sais pas ce que c'est, les potes. Dans un champ de fleurs comme ça. Je veux dire que tu l'épouses. Ti oui. T'es délivré, mon pote. T'as de la chance, t'es un des chanceux. Je veux son arme. Eh ben écoute, tu peux l'avoir, c'était à Bloodborne. Si tu joues à Bloodborne, tu pourras l'avoir. Elle est rigolote en vrai, son arme. Elle est pas très forte, Zou. Le sens du devoir accompli. Mais. Il
Je me souviens plus de ça, qu'est-ce qu'elle raconte là? Je me souviens quand on a eu Limas dans ses bras. Adieu, brave chasseur. Puissiez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé. Ouais. C'est beau, puté. C'est beau. Plus de bande 2 qui était caché dans les fichiers, c'est pour ça que je lui fais une mise à jour de port. Ben voilà, pour le deuxième jour de ce marathonus. Demain du coup... Je vais passer là, c'est fort. Demain du coup, Dark Souls 1. Après demain, pas de stream. Mercredi, Dark Souls 2. Et jeudi, Dark Souls 3. Et vendredi, Elden Ring. Et samedi, sans doute Elden Ring. Voire vendredi et samedi en un seul stream. Selon comment je pète un câble. Je veux dire, on a bien fait un stream de 10 heures. Parfait. Pour, pour me faire mouliner sur Sekiro. Donc, si je prends du plaisir sur Elden Ring, j'ai quand même le droit de faire un gros stream. Oh, ne vous en faites pas. Oh, dégage. Ouais, la team. Ah, je suis pas du matin. Hein. Ouais, la gueule que je fais. La gueule qui tire le matin. Tu vas arriver à Elden Ring, tu seras crevé, t'en pourras plus. Oui. Oui. Globalement, oui. Non, mais ça va, on va finir par Dark Souls 3. Ce sera cool. Dark Souls 3, ce sera celui que je connais le mieux, je pense. Avec Bloodborne. Dark Souls 1 sera chill, encore une fois, je pense. Ce sera juste Dark Souls 2, on va voir Dark Souls 2. Mais je pense que ce sera chill aussi, en vrai. Petit BL4 NG+, mais je te... Putain de jure. J'aimerais bien, en vrai. Refaire un BL4 serait drôle. Non, ce serait pas drôle. Ce serait drôle sans le DLC, en fait. Ça se ferait assez facilement, je pense. Sans vouloir être arrogant. Le problème, c'est Ludwig, quoi. Et Lady Maria, Écosse. Ouais, bon, à demain, les petits potes. Je compte sur toi pour te rouler dans la neige sur Dark Souls 2. J'hésiterai pas à aller me rouler dans la neige avec les licornes. J'espère que ça vous a plu. On est en bonne voie. On est en bonne voie. J'allais dire, on est à la moitié. On n'est pas encore à la moitié, mais bon. On est pas mal, quoi. On est en pole position, on a fait le plus dur. Avec Sekiro, de toute façon. BL4, c'est quand tu augmentes pas de niveau de tout le jeu, Big Boy. C'est un challenge. Du coup, t'as pas de vie, tu te fais one-shot tout le temps. T'as pas de compétences qui t'aident avec les armes et tout. Enfin, de scaling, on dit, mais pas très clair comme mot. Ouais, bon allez, ciao. Mais j'ai envie de jouer à Dying Light 2 aussi, juste un mot comme ça. Ça me saoule, j'ai envie d'y jouer, mais bon. J'ai pas trop l'espace, là, de stream. Demain, si on finit Dark Souls 1 vite, je jouerai un peu à Dying Light 2. En vrai, on aura un peu le temps, on va voir. On verra, mais bon. Allez, bonne nuit la team, ça fait 4 fois que je vous dis au revoir, donc il faut peut-être que ce soit pour de vrai cette fois. Prenez soin de vous, et dormez bien, et bon début de semaine. Hein. C'est là que ça va être dur, c'est ça le vrai challenge. Moi, le marathon, je m'en fous, c'est le taf. C'est plus dur, c'est plus long en plus. Allez, bisous.